Masque, bonsoir. Vous êtes très beau. Oh, vous êtes très beau. Vraiment le fun. Vous avez une énergie sexuelle très, très, très forte. La table ici, c'est quatre cochons, j'aime ça. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Il y a un gars avec trois filles. Très. Félicitations. La fille l'a caressé. Wow! Et puis pas celle à côté, l'autre à côté. Ouais. Ah, c'est cochon. Ah ouais, elle a reach ouais. Comme ça. Oh oui, un truc que j'ai. Un de mes shows que j'ai vu au Théâtre Sainte-Catherine, parce que oui, je fais du stand-up. Vous venez me voir, www.com. En avant, il y avait un couple ouvert. C'était un gars avec deux filles. Ben, c'est peut-être juste un gars. Avec... Non, on a jasé. Je veux dire, okay. Moi, je fais du crowd. Non, j'ai regardé le monde, faire, ouais, lui, c'est un pauvre. Lui, il est raciste. Lui, il paye pas ses impôts. C'est pas ça que je fais dans mes shows, là. Je parle au monde, puis. Ah, c'est un gars. Ah, il était. Oui. Ah, ben, coudon. Ils sont tous rencontrés au gym, ce qui rend ça très ouais? excitant. Ouais? 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 Oh, my God. Ils ont fait la tactique d'aller parler au gym. Ouais, puis ça a marché. Ah, j'ai fait, hey, faites-le. Je me suis demandé, on est allé au gym ensemble. Ouais. Puis, j'imagine que c'est pour assert dominance, ou je sais pas comment dire autrement. Mais un moment donné, je suis en train de faire des étirements sur mon petit tapis bien tranquille. Puis, il est venu me dire, genre, comme, fais attention à ton dos. Puis, j'étais comme, ah, oh, comme, une chance que je t'aime parce que en ce moment, ah, genre, même si même mon propre chum, je suis gossé qui vient de me parler au gym. Fait que je peux même pas imaginer. Mais t'as mal au dos. J'ai pas tort. T'as pas mal au dos? De quoi tu parles? Ah non, je suis pour vrai, je te mélange à Kadib. J'en reviens pas. À quoi? Je suis allé au gym à Kadib. Je te mélange à Kadib. Mais t'as l'énergie beaucoup. T'as l'énergie à Dib. Tu trouves? Oui. Ben, je le prends, merci. Oui. Mais merci beaucoup, mon amour. J'ai oublié comment j'ai fait de... T'es très à Dib. Ben, OK, tant mieux. Ah, j'aurais pensé que j'étais un petit peu félaudrée depuis ma personnification légendaire oui, à Deux Princes. Mais d'accord, j'accepte. C'est plus à Dib. Oh, OK, mais là, on dirait que je sais pas comment renchérir là-dessus sans que ce soit bizarre. Je parle pas et je ne vais pas essayer. Je ne suis pas Poseidon. Ah, oh, t'es très Poseidon. Non, je suis pas Poseidon. OK, on va demander à la foule, par applaudissement, par cri, par bruit. Qui considère que Steph est comme Poseidon? Ouais! Ouais! Okay, le gars le plus intelligent de la gang, il trouve que t'es Poseidon. C'est un intellectuel. Déjà, calme-toi. c'était pas moi. Merci à la salle Les Loups, chez qui on est ce soir. La salle fait une place. Le diffuseur, c'est Les Loups. C'est grâce à eux qu'on fait des podcasts live. C'est eux les premiers qui nous ont appelés puis qui ont dit « Faites un podcast live ». On était comme « Weird, OK mm-hmm. ». Puis ça fait bientôt un an qu'on a fait notre premier podcast live ici. Donc, je tiens à les remercier. Est-ce qu'on peut leur faire une belle main d'applaudissements? Bravo! Ils sont vraiment, vraiment cool. Ils ont une super belle programmation de spectacle. Aussi, vous irez voir ça. Sinon, grosse journée pour Éric Duhaime à l'épicerie, mon amour. Oh yeah! Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Il a pris une photo devant le rack à cocombes. Tu sais quoi? Je pense que c'est important dans son entourage d'avoir au moins une personne de crissement cochonne. Oui. Parce que sinon, tu prends une photo devant des cocombes puis personne te dit que c'est un peu bizarre. Ton ami crissement cochon, c'est sa job de faire « Je sais pas, Éric, si les gens vont juste penser que tu te nourris bien. » En voyant cette photo-là. Voici mon hypothèse. C'est lui le cochon, puis il sait ce qu'il fait. C'est ça, hein? Je veux montrer aux gens, j'adore les cocons. Ben, je le pense un peu aussi. C'est comme à... Penses-tu qu'Éric Duhaime a un gros pénis? Ben non, hein? Je suis d'accord. C'est clair que non. C'est clair qu'il a un minuscule pénis. Un petit pico! Ouais. Ouais. Et des fesses flasques. Ah, oh, ça, c'est décevant. Il y a des fesses flasques, c'est sûr. C'est quoi, moi, je serais plus déçu des fesses flasques que d'un pickle. Je suis d'accord. Un pickle, il m'a l'air d'avoir du fun. Ben oui, moi, j'ai du fun. Des fesses flasques. Oh. C'est un peu décevant. Mais moi, hey, qu'est-ce que Lil Wayne a dit? Je sais pas qu'est-ce que Lil Wayne a dit, mon amour.
If you got a bitch with no ass, you ain't got shit. Il y a ça dans Amélie. À l'époque, il prenait beaucoup de codéine. Fait qu'on va, on va l'écouter. Ben, c'est parfait, ça, là. C'est super. Mais loin, tu es un grand intellectuel. Oui. Oui. D'accord. Je te fais-tu penser à aller loin aussi ou. Le... Énormément. Ah oui? T'es bonne avec l'argent. C'est les dents, c'est ça. C'est les dents en diamant, mon amour. C'est les tatous que je dois maquiller avant chaque couple ouvert. Parce que tu tues tout le monde, mon amour. J'arrête pas. Arrête pas. Je sais, c'est un problème. Mais je paye mes taxes municipales, fait que. Mon amour. Ouais. L'épisode est une présentation de. Ah oh oui, on a, oui, il faut, oui. Polysleep, mon amour! Polysleep! C'est quoi, Polysleep? Oh. Là, quand on est commandité par Manscaped, là, maintenant, je pitche des affaires dans full. Ouais, on pitchera pas les oreillers. On a vu les épisodes à Québec, ont été témoins. Mais j'ai pas de matelas à pitcher, mais j'ai des informations. Le matelas Polysleep est antimicrobien, deux points. Avec l'arrivée du printemps, dites adieu au nez qui pique. Adieu! Adieu, nez qui pique. Grâce à la mousse antimicrobienne, vous pourrez voir vos allergies réduites tout en ayant un matelas protégé par l'accumulation de bactéries. Extraordinaire, ça. Mm. Bon, ben voilà. Alors, avec le code promo couple, juste le mot couple. Oui, c'est dit. Couple. Couple. Profitez de 25% de rabais exclusif sur tout le site. Tout le site. De Polysleep pour une durée limitée. Hey! Message au gars. Tu réussis à convaincre des filles à coucher avec toi. T'es fier de toi. Ils reviennent pas. C'est à cause des bactéries dans ton matelas. Un. Peut-être qu'une base de lit, ça va être bien. Hey, il y a quelqu'un qui m'a DM cette semaine en disant « Là, moi pis mon chum, vraiment fan de votre podcast, nanana, pis tout. Sauf que vous dites souvent que les gens qui ont pas de base de lit, c'est bizarre, pis on n'est pas d'accord avec ça. » Je savais pas quoi répondre. Tu réponds la prochaine fois, c'est toi le problème. Mais... C'est toi le problème. Tu sais, c'est un couple qui baise beaucoup. Parce que... Mais je suis censé faire quoi, là? Me mettre à argumenter sur le fait que c'est important des bases de lit en DM avec quelqu'un sur Instagram que je connais pas. J'ai comme « Merci de nous écouter. Pour bonne vrai, journée. » Je t'aime. On vit dans la même maison. On est tout le temps ensemble. T'as rien mieux à faire. J'ai pas... T'as rien mieux à faire. C'est mieux qu'écouter le... Ma dernière story Instagram, c'est le jet bleu que j'ai vu dans un arbre cet après-midi. Oui. Je crois qu'un homosexuel de 59 ans... Ah, oh, je sais. Ouais, je sais. Je pense que de toutes les choses... Adib aussi, qu'il n'y a pas ses oiseaux. C'est vrai? Ouais, t'es Adib. J'enverrai ma photo. Va triper. Mais je pense que c'est vrai. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que je pense que je suis un vieux X. Tu sais, comme... Puis avec des allégeances politiques un peu louches. Oui. Tu sais, ça me trotte dans la tête. Je sais que c'est mon identité un peu latente, mais je suis comme, à quel point ça se matérialise dans mon quotidien? Puis là, aujourd'hui, j'ai fait ça. Yes, c'est ça. Je sais que c'est ça, mon identité. Parce que... Tu sais, la fin de semaine au 98.5 FM, ils ferment les micros puis ils mettent de la musique. Chaque toune, un hit. Chaque toune, je suis comme... She got a smile that it seems to me. Puis le lendemain d'après, c'est Love Bites. Puis tout. C'est tellement bon, Stifik. Je suis comme, pourquoi Patrick Lagacé parle quand cette playlist-là pourrait jouer? Sans arrêt! Ça serait plus d'informations. Ben non, Esti. Là, il demande à M. Gilles ce qu'il pense de l'actualité. Qui dans vie s'est déjà dit, hey, qu'est-ce que M. Gilles pense de ça? Personne. Je sais. Il avait dit que quand les humoristes, n'arrivent pas à se faire coller des claques. Là. Ouais. Puis là, Lagacé, il a demandé, tu sais, comme en tant qu'humoriste, comment tu prends ça? Puis il dit, ben, en fait, c'est en tant que citoyen. Oh mon Dieu, que c'est plate! J'étais comme enchaîné avec Love Bites. Tu sais, si tu te fais gifler, c'est pas parce que t'es humoriste, c'est parce que t'es énervé quelqu'un. Je pense pas que ça a rien à voir avec. Si quelqu'un de gif, M.C. Gilles, c'est pas politique. Mais tu penses pas que si ça allait à arriver à un humoriste au Québec de se faire coller une claque? Mais c'est pas un humoriste. Oui. C'est sûr. J'ai hâte. Mais les odds sont vraiment... Mais je suis prêt. C'est vrai? Je suis prêt. Moi, à chaque show que personne me frappe, je suis déçu. D'autodéfense? Oui, beaucoup. OK. Oui. OK. Oui, parce que j'ai un père... Oui, tu sais qu'on a une mauvaise relation avec leur père, on fait l'autodéfense. OK. Fait que... Ceux qui ont ri, c'est des hommes qui ont... Fait que mettons là, que tu vois... ouais. Mettons que tu vois Will Smith là, remonter l'allée. Là.
c'est quoi la position que tu prends? Tu donnes un coup de pied pour qu'il tombe dans les marches. C'est ça, tu fais, donne un coup de pied, paf! Il fait, oh! Ouais, puis il pense qu'il est fort, comme, oh ouais, j'ai joué dans Wild Wild West, Bad Boys. Honnêtement, il oublie que c'était pas toi, c'est un gars qui te ressemble, qui fait les cascades. Mais c'est pas vraiment se battre, voilà. Je sais pas si Wild Wild West est sur la playlist 98.5 FM, je vais les appeler pour les suggérer. Mon amour, est-ce qu'on accueille notre invité? Yo, notre invité est extraordinaire. En effet. Je suis très, très, très excité de l'accueillir. Allons-y. Mesdames et messieurs, accueillez avec énormément d'amour et de sensualité, Simon Gouache! Pas de masque, pis tout! Non, mais donc! Oh. Merci beaucoup, vous êtes très gentil, merci beaucoup. Vous êtes bien fin. Simon, est-ce que t'aimes la playlist du 98.5 FM? Honnêtement, j'ai pas écouté de radio, je pense, depuis que j'étais en secondaire 4. Excellente décision. Non, non, mais c'est juste, moi, j'écoute juste du stand-up tout le temps. Ça en est gossant. Mané, ma blonde a fait là, OK, là, si, change, là. Je peux comprendre. J'écoute pas beaucoup de musique, moi. OK. Non, j'ai comme pas de groupe préféré ou de chanteur préféré. Dans le char, c'est des specials d'humoristes. Complètement, tout le temps, 100% du temps. OK. En ce moment, c'est qui, par exemple? Là, en m'en venant ici, j'écoutais Big J. Okerson, son album qui s'appelle American Storyteller. OK. Ooh. Est-ce que tu le recommandes? Oui, ah oui. Mais Big J. Okerson, c'est un gars qui est pas très connu. Je sais pas s'il y en a qui le connaissent. Là, quand tu suis beaucoup l'humour américain, tu le connais. Parce que c'est un gars qui est extrêmement respecté par les autres humoristes. Lui, il a des gants. Hein? Oui, il y a des gants avec les doigts coupés. Mais lui, ce qu'il a fait, surtout, ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il y a deux albums de crowd work. C'est juste du crowd work. Fait qu'il n'y a aucun matériel. Il fait juste jaser au monde. Mais le gars, tu sais, c'est un génie du crowd work. Là. C'est autre chose. Là. Il réussit à faire des histoires avec un puis l'autre. Il y a deux albums de crowd work. Ça, je le recommande à tout le monde. C'est vraiment, c'est un tour de force. C'est hallucinant. Hey, vite comme ça, est-ce que, parce que des fans du monde qui nous écoutent, t'aurais des super specials. Je suis mélangé. Tu sais, parce que tout le monde sait exactement où t'en vas aussi, là. Mettons des specials. Que t'aimes, dis-nous lesquels. Ouais, écoutez, mettons en char. Ben, tu sais, c'est sûr que les classiques, tu sais, tout le monde connaît les Bill Burr, les Chris Rock, tout ça. Moi, il y en a quelques-uns que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, qui sont moins connus. Moi, Nate Bargatze, c'est un gars que j'aime énormément. C'est extraordinaire, ben vraiment oui. Bon. Dan Soder était écœurant. Mon Dieu. Mais mettons que tu as à choisir un mood. Si mettons là tu t'en vas à l'épicerie, lequel que tu viens de nous nommer fait le plus avec le mood d'aller faire. Avec l'épicerie, ça serait ni un ni l'autre. l'épicerie, je te dirais que ça serait. Moi, j'aimerais ça faire l'épicerie en écoutant un show. Okay. Tu comprends? Wow. Puis en fait, j'écoute tout le temps des shows. Ben, c'est juste ça que je fais. Ouais. C'est niaiseux de même. Mais ça serait du Marc Maron, je pense, en faisant l'épicerie. OK, oui, ouais. Je comprends, Vince. En plus, parce que je le connais par cœur, fait qu'à un moment donné, je fais juste comme répéter par-dessus. Ah, tu réécoutes des Ah, oui, j'ai, moi, j'ai... Oh. Oh, oui, oui, oui. Mais non, mais quand t'aimes une toune, tu veux la réentendre, tu vas la réécouter. Moi, il y a des shows que j'ai écoutés 50 fois, là. Mm-hmm. Ah, oui. Mm-hmm. Puis là, est-ce que ta blonde a réussi quand même quelques fois à négocier un peu de musique dans le char ou jamais? On écoute beaucoup de musique à la maison. OK. Écoute, moi, quand elle est pas là, c'est du stand-up. Oui. Mettons, yes. Si elle sort ou elle est pas là, c'est du stand-up à journée longue. Mais sinon, moi, j'aime bien ça. Je me rends compte. Moi, j'ai jamais écouté de musique vraiment dans ma vie. Puis je me rends compte, là, avec ma blonde qui aime beaucoup la musique, qui a travaillé longtemps dans la musique aussi, comment ça ton bonheur monte de comme deux coches juste parce qu'il y a de la musique. Mm-hmm. C'est weird. C'est bonne. Ouais, c'est de la mauvaise. C'est le ménage. Oui, oui, oui. Non, mais tu sais... Elle écoute beaucoup les Backstreet Boys. J'écoute pas beaucoup les Backstreet Boys. Il n'y a aucun problème écouter beaucoup les Backstreet Boys. J'ai beaucoup de problèmes, moi. Ah, ouais? Oui, parce que c'est des go-go boys pour adolescents. Ah, c'est weird. Non. T'es pas d'accord? Zéro. Pas, mais c'est vrai. Pour moi, c'est des œuvres d'art, les Backstreet Boys. Non, mais c'est un joke. Oui, mais il y a des mauvaises œuvres d'art. Tu vois, tu vas au musée puis tu fais ça. Ouais, mais c'est de l'art, Thomas. C'est de l'art, c'est subjectif. Voilà, ouais. Ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres. C'est de l'art, les Backstreet Boys. Moi, c'est bien rare qu'une toune des. C'est une bonne question. C'est. Ben.
La seule affaire que je respecte des Backstreet Boys, c'est leur producteur Max Martin, qui est un génie de la musique pop. Max Martin, il est extraordinaire. C'est entre autres celui qui a composé Baby One More Time. Max Martin, c'est puis peut-être le producteur qui a les plus grands hits des 30 dernières années. Ah ouais, hein? Lui, c'est un Suédois mathématicien du son. Mm-hmm. Il est extraordinaire. Mais j'ai commencé à écouter un documentaire sur Netflix, puis justement, il explique sur les chansons des années 90, puis il explique que en fait, les Backstreet Boys et NSYNC sont calqués sur Boys Kings on the Block, qui ont calqué Boys to Men. Ah ouais. Alors, comme toute bonne musique, c'est calqué sur de la musique noire à la base, n'est-ce pas? Yeah! Mais, fait que ouais. Mais t'as-tu un Backstreet Boys préféré, Simon? Vu que tu sembles, pas, oh ouais. tu sembles très sensible. Excellente question. Il y en a un qui ressemble un peu à Snoop Dogg, le grand, là. Il est comme un nez pointu, là. C'est comment il s'appelle? AJ? Non, AJ? Non, AJ, c'est celui avec le bandeau puis qui a toujours des lunettes fumées, là. Ouais. C'est pas Kevin, le grand, là. Tu trouves qu'il ressemble comme... à Snoop Dogg? Non, mais. Tu as déjà vu Snoop Dogg? Oui, non. Même Snoop Dogg? Il ressemble pas à Snoop Dogg, mais. Tu nous as dit que tu connaissais pas la musique, mais il a toujours été. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. C'est que. La raison pour laquelle je dis qu'il ressemble à Snoop Dogg, c'est Snoop Dogg, il a écrit quoi? 5600 chansons. Je pense que je l'ai jamais vu chanter. Il est toujours comme... Il vibe. Dans tous ses vidéoclips, jamais il chante ses paroles. Ouais. Toujours ça. Fait que lui, il est comme de même. Je comme, il passe dans le vidéoclip, jamais il chante. T'es juste comme... Moi, ça me fascine, ça. Le gars qui était juste là, qui débarque... Ça va? Ah ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on chante? Ferme ta gueule, va-t'en en arrière, là. Dis-moi ça. Je pense que c'est mon préféré. Le signature move de Kevin, je pense que c'est vraiment ça, là. Mmh! Fait que, tu parlais du même. C'est exactement ça. Mais quel est Rhinoman? C'est AJ. Ah, lui, je l'aime! Il avait des lunettes de soleil, tu sais. Ah, ben oui, ça aide. Ouais. Ça aide. Ça aide. Il y a comme, il avait comme un beat différent, tu sais, tout le monde. Tu sais, il est déjà en arrière, il y a comme un regard dont on va tous mourir. Il y a une profondeur. Ouais, c'est ça. Tu sais, il te rappelle, tu fais comme, OK, ça reste de la chanson. Tu sais, quand il est là, il te regarde, puis il est comme, appelle ta mère plus souvent. Non, mais c'est ça, pareil. Chérie, c'est laquelle ton préféré? Ben, je l'ai déjà dit, je pense à ce podcast, mais mon préféré, c'était Brian, le petit comique du groupe. Là. T'es reconnu. Moi, je fais ça dans la vie. Like, ben oui, tu vois. Qui est le plus drôle, moi ou Brian? Mmh. Oh! Mais c'est parce que j'ai tellement un historique. Il est drôle, lui. Depuis si longtemps. Selon Steph, il est hilarant. Ah ouais? Oh, mais Steph, ce qui l'a fait rire, c'est mettre un écureuil qui court après un fromage, là. Elle a un sens de l'humour, comme. Les Looney Tunes, là. Ouais. Ah ouais, hein? Incroyable. Elle respire plus. Incroyable. Elle respire plus. Puis elle respire plus, mettons, tu sais qu'il va tomber de la falaise. Elle va pas venir. Ah ouais. Elle va pas venir. Il tombe la falaise, ouais. J'écoute ça en faisant l'épicerie. Ah oui. Hein? Juste l'audio du coyote. Ouais. Piou! Je commence, tu me souviens, ça c'était le gang en 92. Avec les yeux qui clignent. Cling, 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 cling. Ouais. Il y a un gros piano, ça va pas tomber sur la tête. Hey, non! Oh, sacrifice! Où c'est qu'ils vont chercher ça? Où c'est qu'ils vont chercher ça? Moi, j'ai une erreur dans la vie. Je pitch mes prémices à Steph et voici moi qui pitch une idée. Que c'est dans ma tête. Puis je me dis, je vais présenter ça au public. Puis c'est comme ça que... Ça, c'est ma vision du monde. Puis là, je présente ça, puis ça, c'est Steph. Ah, elle m'a déjà dit, tu vas dire ça de même. Ben, pas de même, mais qu'est-ce que tu penses de l'idée? Elle m'a déjà dit, ben, c'est une idée. Mais, ah bon. Hey, ma blonde Myriam fait exactement la même chose. Oui, mais elle est grand. Le nombre de fois, je dis, hey, j'ai pensé à un gag, là, je pourrais faire telle affaire, tu sais, mais tu sais, quand telle affaire arrive, elle est comme. Comment, elle laisse faire. Non, mais elle fait, non, il y a peut-être quelque chose. Non, arrête, là, oublie ça, là. C'est dans ma tête. Là, je le fais, puis ça tue, puis je suis comme, ah, je te l'avais dit. Non, mais. Non, mais elle, t'en veux-tu une bonne? Vas-y. Elle a toujours raison. Ah, ouais, je sais. Les rares, les. Aussi, oh oui, il y a une autre affaire aussi, c'est que moi, je rode, c'est rendu que je fais semblant que j'y pitch des jokes. Donc, j'ai une nouvelle joke. Je vais sur scène, je la rode 3-4 fois, puis je fais, hey, mon amour, j'ai une nouvelle idée. Puis j'y pitch, je fais, ah, c'est pas pire. Ah, oh, ouais, je pensais ça. J'ai rendu son quatrième rodage. Ouais. Oh. Ouais. Vous servez à ma relation amoureuse. Est-ce que tu me lances des bonnes jokes? Wow. Mais oui, on te le conseille. Mm-hmm. Pour se sentir bien, c'est mieux. Ben oui, c'est ça, oui. Que j'allais dire. Ça dénote un gros manque de confiance.
c'est brillant, mais triste. Je sais pas comment c'est plus triste que brillant. C'est plus... C'est ça. À force d'écouter des specials à la maison, ouais. t'as un jeune enfant, mm-hmm. ou une jeune enfant, je sais plus. Une fille, oui. T'as-tu peur qu'un moment donné, elle dise « Bonsoir tout le monde, ça va bien » quand les gens arrivent à la maison? Non, honnêtement, je pense que ma fille est plus sportive qu'artistique. OK. Okay. En ce moment, là, on joue au soccer dans la cour. Elle a 14 mois, puis là, je la tiens par les bras. Puis là, pendant une demi-heure, elle kick le ballon. Elle lance des ballons à 14 mois. Elle dit, ballon, ça a été son premier mot, d'ailleurs. Elle faisait bon. Elle avait toujours joué au ballon. Wow. Je pense qu'on a... En tout cas, je vais y laisser faire ce qu'elle veut dans la vie, là, mm-hmm. mais elle va essayer le soccer. Mm-hmm. Parce que je pense qu'on a un prodige. Ou elle est juste lesbienne. Peut-être. Peut-être c'est juste ça. Elle mange ce qu'elle veut. Oh my God! Simon, on a souligné la claque de Will Smith. Ouais. En intro. Est-ce que toi, si Will Smith remonte l'allée, quel move? Tom a dit qu'il présenterait son pied en premier. Toi, est-ce que tu as un move d'autodéfense si tu te fais attaquer sur scène? Hey, c'est une bonne question, j'y ai jamais pensé. En fait, dans ce cas-là, c'est complètement différent parce que Chris Rock, c'était même pas dans la rotation de possibilités qu'il se fait geler, là, tu comprends? Fait que moi, si quelqu'un monte sur scène et que je vois tout de suite qu'il est fâché, moi, mon réflexe, c'est de quitter le plus loin possible. Tu te sauves. Ah non, moi, je peux pas me battre. T'aimes pas ça te battre? Non, mais j'ai pas de coordination, moi. Non, c'est-tu quoi, moi non plus, pis ça aide dans ma propre face. Il va venir le coup de poing. Enfin, je m'attendais pas à ça. Non, mais je serais genre à comme me donner un propre coup dans ma face. Non, t'sais, comme en levant les bras, à me cogner. Ça serait mon genre. J'ai comme pas de coordination. Je peux pas me battre. Je me suis jamais battu, puis je me battrai jamais. Peux-tu faire une parenthèse extrêmement glauque? Ouais. Quand on part, c'est glauque. Vous savez la fusillade de Columbine? Je suis jamais amené. Un des deux gars, il s'est pété le nez parce qu'il y a eu le revers d'en face. Fait qu'une des raisons pourquoi Columbine n'a pas eu autant de morts, même s'il y en a eu beaucoup, c'est qu'un des deux gars s'est cassé le nez et s'est donné une commotion cérébrale parce qu'il comprenait pas son arme. Fait que tu vois? Wow. Fait que si vous faites une fusillade, très important de tester son arme. Merci. Ça, c'est la parenthèse, glauque, qui est commanditée par Manscaped. C'est le nouveau segment. Oui. C'est le segment glauque. Le segment school shooting. Mais c'est une marque américaine, fait que tu sois habitué. Oh, tu vas tuer. Quel massacre tu nous parles aujourd'hui. Il y a tellement de choix. C'est vrai. OK, fin de la parenthèse. Mais fais la parenthèse glauque. C'est la fin de la parenthèse glauque. Donc, tu fais pas de sport de combat, mais je sais qu'à un moment donné, tu as fait un number sur le fait que tu allais jouer au golf avec ton père. Tu viens-tu de ça? Ou j'ai lu ça quelque part, puis c'est pas vrai. Le courage de faire ça. Je pense pas d'avoir... J'ai peut-être déjà fait un numéro qui est comme jamais donné, qui a jamais rien donné, puis qui est mort dans une soirée de rodage quelque part. Mais mon père m'a initié au golf très jeune dans ma vie. OK. Ouais. Est-ce qu'il pensait que t'allais devenir un petit Tiger Woods? Comme toi, tu penses que t'avais des singles. Non, mon père, moi, était très, 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 très académique. Pour lui, là, c'était les résultats académiques, c'était la chose la plus importante. Même quand je jouais au hockey, quand j'étais plus jeune, il me rappelait toujours, tu joueras pas dans la Ligue nationale. mais c'était même pas une question de talent, là. C'était même pas grand, t'as pas le talent, c'est comme, tu vas à l'école passe, le sport passera jamais avant l'école. Fait que, mais je pense, mon père a lui-même découvert le golf assez tard dans sa vie, puis c'était notre moment, ça l'est encore, tu sais, c'est... Ah ouais? C'est le fun de jouer avec ton père. Attends. C'est très plaisant, parce que j'aime beaucoup mon père, puis jouer au golf, c'est notre passe-temps. Sauf que moi, j'ai commencé à jouer au golf avec mon père, j'avais 7-8 ans, tu comprends? J'étais jeune, là. Fait que j'avais pas les codes, tu sais, de terrain de golf, moi, tu sais... Moi, tu sais, se dépêcher, puis ramasser, tu sais, replacer le gazon, puis pas oublier tes bâtons sur le bord du green, puis replacer le drapeau. Tu sais, moi, j'étais m'amusais, là, je frappais des balles. Fait que mon père était très strict là-dessus, tu sais, hey, oublie pas de telle affaire, let's go, OK, on y va, on avance, let's go.
Puis encore aujourd'hui, j'ai 37 ans. Puis si je frappe, il est comme, OK, Simon, let's go, on y va. Je suis comme, mais là, Chris, c'est correct, j'ai 37 ans, là, je le sais. Je marche plus vite que toi, là. Okay? C'est pas toi qui attends après moi, mais c'est parce qu'il me parle, encore comme j'avais 10 ans. Sur un terrain de golf, c'est fucked up. Dans la vie de tous les jours, jamais, là. Je veux dire, on a une super belle relation, mais dès qu'on tombe sur un... Hey, Simon, let's go, faut y aller, là. OK, come on, OK, ramasse la balle, let's go. OK, non, oublie pas, OK. Je suis comme, voyons, j'ai pas 10 ans, là, je suis capable, C'est vraiment weird. C'est vraiment weird. Est-ce que t'es bon? Okay. J'ai déjà été très bon. Okay. Ma carrière a fait en sorte que je joue vraiment, vraiment, vraiment beaucoup moins. Mais, pas 4 heures par jour à mettre au golf? Non, c'est ça. Mais je pourrais, par exemple. Moi, je pourrais jouer au golf du 1er janvier au 31 décembre. Oh! Wow. Ah, ça, l'ombre d'un doute, ça serait... C'est le thème du golf. Ah. Te faire crier après par ton père. Peut-être, hein, c'est juste ça, là. J'aime le défi. C'est un sport qui est extrêmement difficile. Puis c'est un sport où quand tu joues tout seul, tu peux comme changer ton score puis personne ne le sait. Fait que ça, c'est cool aussi. Non, mais je le sais pas. C'est dur à expliquer. Je me sens juste bien. Quand j'arrive sur un terrain de golf, je suis juste en paix. Je pense à rien d'autre. J'ai bien de la misère, moi, dans la vie, à décrocher principalement de mon métier, puis ça revient au fait que j'écoute du stand-up tout le temps. C'est tout le temps dans ma tête. Sur un terrain de golf, c'est la seule place où je suis capable de juste penser à rien. C'est un sport où tu t'améliores à chaque coup. Tu sais, t'es jamais... À chaque coup, tu t'améliores. Tu travailles sur quelque chose. À chaque jour, soudainement, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Là, soudainement, le lundi, tu joues bien. Le mardi, t'arrives, puis là, soudainement, ton coude, il arrive trop bas, puis tu sais pas pourquoi, mais ça, fait que là, tu travailles là-dessus pendant la journée. Je sais pas, c'est un sport qui est très zen. Il est très zen, mais dans le chaos, parce que c'est tellement difficile mentalement quand tu manques un coup ou quand ça fait 3 de suite que tu manques, puis là, t'as juste le goût de crisser ton driver dans le lac. Mais. La partie la plus fun du golf. Oui. Tu détruis l'équipement. C'est ça. Mais c'est pour ça. C'est la seule place où j'aime tellement ça, puis je veux tellement être fier de moi, puis bien jouer, que ça m'enlève tout le reste de ma vie. Je fais juste penser à ça. Pensez ça. Très cool. Tu nous as parlé, t'es avec ta blonde Myriam, mais est-ce que avant que tu sois avec elle... On est fiancés. On s'est c'est vrai, félicitations. On s'est fiancés la fin de semaine passée. La fin de semaine passée? Wow! On est fiancés depuis... on est samedi, là? Ouais, le samedi. Depuis une semaine, jour pour jour. OK, comment c'était? Oui. C'est quoi la demande? Comment? Au terrain de golf. Non. Pendant que c'était chaud, Je vais faire une histoire très courte, parce que c'est une histoire très longue. Non, mais on a du temps. Moi, on a un enfant. On a un enfant d'un an. Donc, c'est difficile, vous le savez, d'avoir des temps à toi tout seul. Puis, moi, je voulais prendre le temps de choisir une bague qui allait lui plaire, tout ça. Fait que ma blonde est agent de bord. Elle travaille pour une compagnie qui fait des vols privés. Donc, elle a pas beaucoup de contrats, mais quand elle part, elle va partir, tu sais, être allée à Istanbul, il y a 2 semaines, Istanbul, Londres, tout ça, tu sais. Fait que, à un moment donné, elle est partie en vol. Puis mes beaux-parents sont venus à la maison pour m'aider avec la petite. Là, j'ai dit, OK, c'est là, faut que j'aille acheter la bague là, parce que j'aurais pas d'autre temps. Ça fait de ça, ça fait 3 mois, je pense. Fait que tout se passe bien. Et là, je me dis, OK, là, j'essaie de penser à quel moment je veux le faire. Là, au début, j'ai plein d'idées, puis là, je débat avec moi-même. Puis moi, à un moment donné, j'arrive à un point où... Il y a jamais comme le moment parfait est comme jamais venu, mais j'attendais toujours le moment parfait. Puis là, quand le moment parfait arrivait, j'avais pas la bague. Puis là, quand je dis, OK, là, ça va être à soir, il se passait quelque chose. Elle avait mal au cœur parce qu'elle est enceinte. Elle est enceinte de notre deuxième enfant. Félicitations. Merci. Donc, tu sais, merci, c'est gentil. Fait que c'est un petit gars. Yeah. Puis, fait que le bon moment arrivait jamais, tu sais. Puis, la semaine passée, j'étais en show à Québec. J'avais 2 shows à Albert Rousseau le samedi dernier, les 2 shows dans la même journée. Puis, mes beaux-parents qui habitent à Chicoutimi ont dit, « Hey, on va aller vous rejoindre à Québec. On va aller passer la fin de semaine avec vous à Québec. » Fait que là, je me suis dit... Fait jamais... Le monde, ils veulent pas venir me voir en show. Hein? Nos parents nous suivent pas. Ils venaient voir la petite. Ah! Oh! mes beaux-parents, ils venaient voir la petite. Je comprends. Mais, fait que là, je me disais, OK, c'est là. Il faut que je le fasse samedi.
c'est là, là, parce que... Tu dois tellement être stressé quand là, tu traînes la bague avec toi. T'as mets où? T'as caché où? Et dans ta valise? Il faut pas qu'elle ouvre ta valise. Et où la bague? Ben... Mettons, à la maison, tu l'avais cachée où? Ah, OK, c'est Chris, t'as une autre affaire, j'ai oublié ça. Ah, génial! Parce que ça fait des mois... Il y a à peu près un mois de ça. C'est fou, parce que... Et... J'ai l'impression que fiancer sa blonde, c'est comme la tromper. Faut que tu caches les affaires, faut pas qu'elle te pogne, mais des secrets. Non, mais c'est un peu ça, pour vrai. Autant que Kevin Richardson ressemble à Snoop Dogg, là, tu sais, je sais pas. C'est pas le même. Je parlais de son vibe. Non, il ressemble. Non, ça marche. Ça marche, je me comprends. Quand une photo tantôt, ils ont le même nez. Je te le dis, ils ont le même nez. Je connais mes nez, ils ont le même nez. Fait que, il y a un mois à peu près de ça, Myriam décide sur un coup de tête d'hormones de femme enceinte de faire le ménage de notre garde-robe, l'endroit où j'avais caché la bague. Fait que là, à un moment donné, je rentre dans la maison, puis elle est à quatre pattes dans le garde-robe en train, puis là, je vois les shorts dans lesquels j'avais mis la bague à terre, puis là, j'étais comme, OK, c'est sûr qu'elle s'est... T'as mis la bague dans des shorts. Mais non, mais j'ai mis dans des shorts que j'ai mis dans le fond du dernier tiroir en bas, où elle va jamais, là, c'est des vieux shorts que je mets jamais. Puis là, il a passé une fête que là, elle a décidé qu'elle faisait le ménage de ça. Fait que là, moi, j'étais sûr qu'elle savait, j'étais sûr qu'elle l'avait vu. Finalement, elle me dit que non, mais je pense qu'elle l'avait vu. Mm. Mais ça pour dire que c'est ça. Là, je me suis dit, OK, regarde, on va arriver à Québec. On va partir tôt. On va laisser la petite avec les beaux-parents. On va aller dîner. Là, je vais lui donner sa bague au dîner. Sauf que là, comme un cave, je me lève à comme 10h15. Fait que là, le plan marche pas. Fait que là, on arrive à Québec. Il est une heure avant le show. Fait que là, j'ai pas le temps. Puis là, je me dis, bon, mais regarde, ce que je vais faire d'abord, entre les deux shows, j'avais pas le temps. Puis j'étais comme, je vais lui donner demain matin. Demain matin, on va se réveiller dans la chambre d'hôtel. Fait que j'étais comme mindé à faire ça dans le lendemain matin. Le soir, après le deuxième show, on s'en va prendre un petit verre pas loin de l'hôtel. Puis on retourne à la chambre. Puis là, j'étais plus capable. La pression, ça me sortait par les oreilles. J'étais plus capable. Je faisais 100 pas dans la chambre. Je faisais juste marcher en rond, la tête à terre. Puis là, je rentrais. J'étais en train de se brosser les dents. J'étais comme, t'es belle. Puis là, je revenais. Je revenais. Je t'aime. Je partais. Je revenais. T'es l'amour de ma vie. Là, je repartais. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, ah, oh, de la merde, c'est là. C'est là que ça se passe. Fait que j'ai pris la bague, j'ai attendu qu'elle sorte de la salle de bain, me suis mis à genoux. J'ai dit, je suis plus capable d'attendre, je veux que tu sois ma femme. Ah, vu de même, c'est beau. Fait que ça a été comme plus ça. Attendre, moi, mais moi, sur le coup, je me suis dit, là, je viens de gâcher. Non, mais c'est ça, mais sur le coup. Ouais, mais. Serais-tu correct? Non, mais c'est parce que moi, sur le coup, j'avais l'impression. T'as frotté l'autre gars, ensuite, t'es ému. Ému de ça. Elle est très en contact avec ses émotions, oui. Ce soir, cette femme. Très ouverte, j'aime ça. Mais moi, sur le coup, je pensais que j'avais ruiné le plus beau moment de sa vie, là. Elle sort de la salle de bain, en bobette, avec la pâte à dents encore sur le bord de la gueule, puis moi, je suis là. Là, je suis comme. Je suis désolé, Myriam, je peux plus attendre, je suis plus capable, là. C'est là que ça se passe, je m'excuse. Puis moi, dans ma tête, j'étais vraiment déçu de moi. Puis après, quelques minutes après, elle m'a dit c'était la demande la plus Simon au monde. Là. C'était la chose, c'est exactement ça. Ça fait 3 mois que tu tiens ça. Ça fait 3 mois que tu cherches le moment parfait. Puis c'est ça. Tu sais, j'avais vraiment hâte que ce soit ma femme parce que moi, j'ai la chance d'être en amour avec ma meilleure amie. Puis elle m'a donné déjà un enfant, elle m'a donné un autre. Puis à un moment donné, c'est ça, tu sais, j'avais juste hâte de le faire, je ressentais pas le besoin de me marier nécessairement, c'est pas quelque chose que... Tu pries rarement, là, je... C'est très rare, mais de temps en temps. Ah oui? Non, mais juste au cas. T'envoies des affaires? Ah oui, oui, oui. Ben, genre, la dernière série du Canadien, ça m'est arrivé 2-3 fois, là, de juste comme... Pas à genoux sur le lit, mais juste comme, tu sais, juste un petit look en haut de. Ok, t'en veux-tu une? Si t'es là. Avant de te coucher. Si t'es là. C'est une vraie affaire. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le football américain. Puis à une époque, toute ma mon identité, c'était les Pats de l'Angleterre. Et j'ai déjà demandé à Dib de me montrer à prier à l'islam pour qu'il gagne. Ben, je m'étais dit, faut que je demande à plusieurs dieux. Qu'est-ce qui me dit que c'est le dieu catholique ou protestant avec j'ai fait des prières islamiques pour. Ouais. Ça a marché! Il y a 7 bagues! 7! Ouais! Fait que tout ça pour dire que Tom Brady domine grâce à Allah. Ouais. C'est Allah qui veut. Parce que le Canadien a perdu en finale, fait clairement, c'est pas. J'ai pas prié. C'est pas. Le Canadien a prié, fait que je sais pas. Tout le monde, on se convertit. Hey, peut-être aussi que moi, j'ai un lien direct avec le dieu. Ouais, passe tes messages par Tom, puis il va s'en aller. Ouais, je vais parler à Allah.
Ouais. Ah, il va peut-être que je suis un prophète. Hein? Peut-être que je suis un prophète musulman, on le sait pas, hein. C'est vrai. Peut-être que je suis un prophète musulman. On est en train de dire que t'es un prophète. Ouais. Musulman. Musulman de surcroît. Ouais. Mais... Oh mon Dieu, je retire ce que j'ai dit. Envoyez pas vos messages à toi. Vous envoyez-les. Me priez pour vous autres. DM tout. 5 piastres de prière. Si t'es laid, 20. Plus le monde beau, c'est plus. Ouais. Si t'es laid sur ta photo Facebook. Ouais. Si en plus il y a ton enfant là. Ça... Ah, c'est ton enfant, je fais pas ça. Là. C'est de même. Là. Avec ton enfant, je... non, il y aura pas de prière. Mange ton enfant. Oh, ok, parfait. Super, un autre beau segment. Allez-vous marier où? Est-ce que vous savez? On sait pas. OK. On n'a aucune idée, on ne sait pas encore. Évidemment, le 25 minutes après la demande, elle était déjà en train de faire la liste. Là. on a une situation particulière où moi, ma famille est à Montréal, sa famille est au Saguenay. Fait que c'est au Saguenay. Non! Ben, je pense pas. Je pense qu'on va trouver un lieu. Moi, je veux juste, tu sais, je veux juste faire un party juste intime. Mais intime, mais le fun, c'est avec bien du monde, là. Je sais pas si ça existe, un c'est gros, génial, ça! Gros party intime avec bien du monde! Party intime avec bien du monde. C'est juste le monde que t'aimes. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais moi, un des challenges, c'est que 97% de mes amis sont humoristes, fait que le... Faut qu'on boucle une date au plus crisp parce que sinon tout le monde va à Nantes, à Saint-Jérôme, tu sais. Est-ce que tu veux une thématique à ton mariage comme genre sinon, Disney ou Star Wars? Aucune chance. Médiéval. Même pas hockey. Non? Même pas. Oh, médiéval, ça serait bon. Mais pas Matt Lazlund. Si on a une, c'est country parce que ma blonde, elle aime énormément le country. C'est un lapsus extraordinaire. Et c'est peut-être pour ça que t'aimes pas la musique. Non, non, mais moi, elle m'a appris des danses en ligne. Moi, je danse le Hickey Breaky Dance, là. Tu veux-tu le montrer? Non, je peux pas. Tu peux pas? Tu peux. Non, mais tu veux pas, mais tu peux! Tu veux pas, mais tu peux! Mon amour, vas-tu danser avec l'équipe tout de suite? Ben, moi, c'est un rêve, là, que je chéris, là. Veux-tu réaliser le rêve dans ma blonde? J'ai dansé les 7 carrés, mais je sais pas danser le Hickey Breaky Dance. Tu sais pas danser le Hickey Breaky Dance? Ben, si vous l'avez, je peux. Ah oui, on l'apprend. Certainement. C'est la meilleure. Vince, le Hickey Breaky Dance! Vince, t'as-tu l'Hickey Breaky Dance? Vincent, il est là-dessus. Let's go. Oh my God. Voulez-vous danser l'Hickey Breaky Dance? Mais là, tu l'as appris dans quel contexte? Votre première date, j'espère. Non, mais c'est parce que... Au début, pas du tout. C'est que ma blonde, elle vient de Chicoutimi, OK? Fait que là, évidemment, depuis qu'elle est enceinte et qu'un an d'enfant, c'est calmé. Mais ma blonde, elle était capable d'en prendre. OK. Fait que ma blonde puis moi, on a très souvent dansé en ligne dans le salon à 4h15 du matin, complètement défoncé. Là. Wow! Oh! Mais c'est fait pour ça! Ben oui! Ouais. Tu sais, à 3h30, là, de même, sur la terrasse, puis là, c'est like break dance! Pis là. Ouais. On l'a échappé une couple de fois. Vidéo à la pluie. On a une couple de vidéos qu'il faut pas que ma fille voit. Waouh! Et Dieu, on est de même, là. T'as pas le feu de la danse? Je l'ai, mais c'est la danse qu'il y a pas moi. Ah, OK. Ça, c'est. Oui. Je danse beaucoup. Oh, tu te rappelles quand tu as essayé de me montrer un move de danse puis je suis pas capable? Ah, non, OK. Y a encore là. Nous, OK. Toi, il y a une semaine, t'as demandé ta blonde en mariage. Oui. Maintenant, ta fiancée et ta future épouse. Nous, il y a une semaine, on était dans le salon parce que Tom voulait apprendre comment ça s'appelle la danse de la victoire. Non. Quand les gars, ils font des touchdowns au football. C'est le greedy. C'est la danse du greedy. C'est que Justin Jefferson, qui était à LSU, qui rendit que les Vikings, c'est un receveur de passe, il fait une danse sur les talons. C'est une danse que la part des athlètes noirs américains font. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait... Ah, un genre de crip walk, ça? Non. Okay. Ça vient de la Louisiane. Ça vient pas de la Californie. Et c'est une manière de danser qui est très, très cool. Et je voulais l'apprendre et j'étais pas capable. J'avais une vidéo de YouTube. C'est, ils dansent sur les talons, là. Ouais. Fait qu'on faisait ça, là, dans le salon en rond, là. Oui, notre fille trippait. Ouais, Zoé, elle a participé à ça aussi. Elle trippait, oui. Ouais, c'est ça. Puis il m'a dit, encore là, tantôt tu m'as fait paraître mal en disant que quand tu me présentes tes gags, je les rebute. Ouais. Mais il m'a dit, j'apprends cette danse-là parce que j'aimerais ça l'inclure dans un bit à soir. Puis j'ai fait, je sais pas à quel point, là, c'est... Ouais, parce que moi, je... Casté comique, je sais pas, là. Je veux voler le... Tu sais, Rachid danse plus, moi, me danser.
Et comme Rachid, tu es un prophète. Oui. Hé, mais c'est vrai! Vous googlez? Est-ce qu'on t'appelait le nouveau Rachid? Tu te souviens-tu? Puis je pense que c'était ici qu'on avait fait le gang. Mais oui, mais on l'a coupé parce que... Non, pas dans l'épisode avec Mathieu. Au début de Coupe Louvre, je me souviens plus pourquoi on t'appelait le nouveau Rachid, mais t'es 100% le nouveau Rachid. Je suis le nouveau Rachid. J'étais un trou de cul, je le suis plus. Je suis le nouveau Rachid. Mais je ressemble beaucoup à Rachid. Je sais pas, Tom, là, sacrifice. Chut, OK. Père, mes cheveux. Genre, je parle beaucoup de mon père. Ouais. Ah! Je parle pas arabe. Ben, Rachid, il travaillait au futur. C'est des jokes humoristes, ça. C'est des jokes. J'enlève ça, j'envoie ça aux humoristes. Oh my God. J'ai acheté ma première chaîne stéréo au Future Shop de Laval où Rachid travaillait. Oh, on est liés? Ouais. Je suis Rachid, mon amour. C'est ça qui t'excite de moi, c'est Rachid. Oui, c'est ça, parce que là, j'ai été en contact avec... Quand je travaillais à la salle André Mathieu, Rachid, quand il faisait des shows, ses parents venaient le voir tout le temps. Ouais. Tout le temps, ses parents étaient là à chaque show. Il l'encourage. Comme toi, hein, mon amour. Non, jamais. Jamais. Mais la face de mon père dans Biatrie, il ne veut pas rentrer. Laissez pas rentrer cet homme-là. C'est pas une bonne affaire. Mon oncle vient me voir à Québec, puis j'ai très peur. C'est vrai? Ouais. OK. Il va crier. Il va gérer ça. Parce que c'est dans votre ADN. Voilà. Mais notre fille aussi, elle crie beaucoup. Ben là, c'est un enfant de 2 ans. Je sais pas, elle crie plus que les autres. Non, c'est juste que t'es habitué d'être celui qui crie le plus. Ah ouais. ça me fait réfléchir à avoir un enfant, parce qu'elle a mes comportements. Oui, mais c'est parce qu'elle a pas l'intelligence émotionnelle encore de contrôler ses émotions, par exemple. T'sais. Ah ouais, c'est vrai, elle a une excuse, elle. Elle a une excuse. Bon. J'en ressemble beaucoup à un enfant de 2 ans fatigué. Ouais, un enfant qui faut aller se coucher. Dans le fond, je réalise, je suis un enfant de 2 ans, il faut qu'il aille se coucher. Mais la journée est longue. Puis moi, je suis un Gen X qui écoute 98.5 en faisant ça, c'est bon! Attends, je vais me rappeler d'un souvenir. Tu te souviens quand, dans un party, puis c'est pas pour te... Tu m'as chicané, mais en joke, là. Mais t'as bien fait de me chicaner parce que je portais des shorts de basket en dessous de mes jeans ouais. Parce que je voulais pas acheter de ceinture. Ah, ça, là. Parce que, c'est ça, Simon, il m'a connu à ma période. Honnêtement, Thomas, si je m'étais rappelé de cette anecdote-là avant ce soir, je serais pas ici. Tabarnak. Est-ce que tu peux nous raconter? Simon, il connaît le Thomas qui devait aller à des intox. Le Thomas, go, wow! Raconte-nous. C'est pas ça. Il est arrivé à un moment donné, puis là, comme d'habitude, s'il y avait les bras dans les airs, fait que son t-shirt levait, il était de même. Là, j'ai fait. As-tu des shorts de basket en dessous de tes jeans? Et là, lui, de faire. Ouais! Est-ce que c'est parce que t'as. De boxeur, parce que ça arrive, ça m'est déjà arrivé. Oui. Tu sais, je sais pas, tu mets un costume de bain, quelque chose. Mais non, c'était pas ça. Il y avait une explication que je me rappelle plus parce que j'essayais juste. À partir du moment où tu m'as dit non, je me rappelais pas que c'était parce que tu voulais pas mettre de ceinture. Parce que moi, en ce moment-là, je t'écoutais plus, j'essayais juste de trouver une façon de me débarrasser de toi sans soulever des soupçons. Tu comprends? C'était par choix que tu portais tes shorts de basket. On se connaissait pas beaucoup dans ce temps-là. Moi, je me rends compte, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'humoristes de ma génération qui vont me parler de la première fois que je leur ai parlé ou de la deuxième fois, de la troisième fois. Moi, avant, j'étais vraiment pas bien avec moi-même. Moi, je fais de l'anxiété depuis longtemps, puis j'étais pas à l'aise. Puis ma façon mon premier contact, c'était toujours la confrontation. C'était toujours... qu'est-ce que tu portes? Pourquoi tu dis ça? C'est quoi ces cheveux-là? J'ai toujours été comme ça. On dirait que j'avais tellement peur que le monde s'attache à moi ou s'approche de moi que j'ai repoussé dès le départ. C'est la chose la plus attachante du monde. Non, mais il n'y a rien de plus attachant que repousser les... Honnêtement, tu sais, il y aurait un podcast à faire avec tous les humoristes qui racontent juste la première fois que je leur ai parlé, qui était comme... Mais c'est pas la première fois. C'est juste que cette fois-là, je me rappelle, chez Simon Cohen, puis t'étais vraiment marqué que j'avais des shorts. Puis t'étais le seul qui osait m'en parler. Puis moi, j'étais très heureux parce que je voulais toujours... OK, une vraie affaire, ça. Je croyais que c'était brillant. Pourquoi j'avais des shorts en dessous de mes jeans. Mais personne m'a jamais posé la question. Et tu peux pas se dire au monde, hey, en passant, voici pourquoi je porte des shorts en dessous de mes jeans. Ouais, c'est ça. Ils veulent t'en aller puis te couper de leur vie. Et ça m'a vraiment fait plaisir que tu me demandes. Tu vois,
tout est bien qui finit bien. Oui, oui, voulez-vous savoir pourquoi je portais des shorts en dessous? Tu viens de le dire. Ah, il y avait deux raisons. Oh mon Dieu. Il y avait la raison pratique puis la raison profonde. Oui. La raison pratique, c'est que je voulais pas m'acheter de ceinture. La raison profonde, c'est Allah te l'a dit. Non! Dans ton canal de communication non! direct. Là. La vraie raison, je peux jouer au basket n'importe les gars. Il me semble que c'est ça que tu m'avais dit. Pour jouer au basket n'importe quand. Tu m'avais dit. N'importe quand. Faut toujours être prêt. Tu sais jamais quand il y a un pick-up qui va passer. Ouais! Une affaire la même. Ouais! J'avais respecté la réponse, par exemple. Oui! Là, tu vois, je m'en rappelle, j'avais fait comme. OK. Ouais. Ah ouais, ouais. Ça, je comprends. Oui, et là, tu m'avais posé la question. Ouais. T'as différentes. Bon, shorts de basket, non, là, toujours la même. Là, t'avais moins respecté cette réponse-là. Ah, moi aussi, t'aimais pas que je porte le linge d'Adib. Parce qu'Adib me donnait son linge. Ça, je m'en rappelle pas, par exemple. Je m'en souviens. Parce qu'à l'époque, Adib me donnait son linge. OK. Du tout. OK. Je portais le linge d'Adib, j'étais content. Mais tu portais le linge d'Adib? Ouais. T'avais ce fascinant, c'est ça. T'avais ça. Ça revient vite, hein? Oui. Oui. Oui, mais t'avais. C'est comme 45 livres de plus que lui. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais c'est mieux que l'inverse. Je rentre pas. Non, c'est le contraire. Ah! Oh. Mais c'était serré, c'était le fun. C'est peut-être pour ça que quand tu lèves les bras. Oui, ça va pas aimer, mes boxers. Tout est lié! La rage est en train de revenir. Comment est-ce que tu as rencontré ta conjointe? Donc, ce n'était pas. Est-ce que c'était au golf? Parce que c'était ça ma première question, je pense. Non, mais il y avait une passion pour le golf et tout. Je me demandais. En fait, c'est que ma vraie question, c'était est-ce que tu as déjà daté au golf? T'as-tu déjà amené une fille au golf? Non, jamais. Encore d'une date? Jamais. As-tu déjà rencontré une fille au golf? Je ne pense pas, non. Au restaurant, après, le restaurant chic. C'est pas chic, le restaurant, ma chérie. C'est pas. C'est un Saint-Hubert, là. C'est. Le restaurant chic du golf, tu veux dire? Mm-hmm. Ouais. Jamais de belle. Dis pas. Non. Pense pas. Donc, où est-ce que tu as rencontré ta blonde actuelle? Je l'ai rencontrée dans le temps qu'elle travaillait en musique. Elle travaillait chez Production J. Elle accompagnait. On s'est rencontrés dans un lancement de programmation à Montmagny. OK. Je m'en allais faire un lancement de programmation. Souvent, au début des saisons pour les théâtres, ils font des shows pour qu'ils parlent de quel show ils vont avoir durant la saison pour inciter les gens à acheter des tickets. Fait que moi j'aime. C'est rarement le fun à faire, mais j'aime ça le faire parce que moi, c'est de la scène que je veux faire dans la vie, puis je trouve que c'est important de s'impliquer puis de garder un bon contact avec les diffuseurs puis le public puis tout ça. Fait que j'étais allé là, puis elle accompagnait un artiste. Puis on s'est rencontrés là. C'est la première fois qu'on s'est vu. On s'est revu par la suite quelques mois plus tard où j'étais en rodage de mon deuxième One Man Show dans une salle à Montréal. Puis elle était venue avec l'équipe de Prodigy pour visiter la salle pour faire un lancement d'un album. OK. Puis écoute, je te jure, là, je l'avais jamais revue depuis. On avait passé la soirée ensemble, on s'était jasé, tout ça, mais. Je l'avais jamais revu depuis, on n'avait pas gardé contact nécessairement, mais puis écoute, j'étais en bas, j'étais dans ma loge, puis j'ai entendu des talons hauts, puis j'ai fait, je suis sûr c'est elle. Hein? Je suis sorti, puis c'était elle. C'était fucking weird. Ah, cool. Mais rien, puis moi on a comme été ensemble dans une autre vie. Là. Je veux pas devenir ésotérique ou quelque chose, mais il y a tellement de choses weird là. Qui a séduit qui? Oh, c'est une bonne question. Ça a été pas mal. Les deux. Ouais. Ce soir-là, je l'ai invité à. C'est ça. Ouais. Mais ce soir-là, je l'ai invité à prendre un verre officiellement. Puis on était ensemble depuis. Très cool. Après combien de temps entre votre verre et la première fois que vous êtes couché ensemble? 45 minutes, peut-être. Mais c'est des bons, ça, c'est bon, ça! Ça, c'est des bons couples! C'est bon se coucher vite! OK, génial, vous êtes couché dans où? On est allé prendre un verre à côté de chez elle. J'avais pris verre à shot en esti. Yes! Il y a un bar à 15 secondes de marche de chez vous. On est allé prendre un verre, puis c'était comme. C'est un prétexte. C'est ça. Oh, oui. Ah, génial. Ça a pris combien de temps avant que vous aménagez ensemble? Ça a pris un an et demi, je pense. OK. Peut-être moins que ça. Un an. Je dirais un an. Est-ce que c'est facile avec toi? C'est facile avec elle? Ça s'est bien passé? Ça se passe à merveille. Puis moi, je te dirais que
moi, Myriam a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. Donc, quand on a commencé à habiter ensemble, un des points tournants de ma vie... Moi, je suis pas alcoolique dans la vie, mais je me suis auto-médicamenté avec l'alcool très longtemps dans ma vie. Très, très, très longtemps. Fait que, tu sais, moi, depuis que j'ai 21, 22, jusqu'à il y a peut-être 3 ans, je buvais 6, 8, 10 bières par soir, tu sais. Mais moi, je suis pas un ivrogne, je suis pas un bad drunk. Jamais j'insulte personne. Jamais tu vas dire comme, hey, tu l'as échappé puis c'était pas le fun. Jamais, jamais, jamais. Fait que, c'était juste comme mon automédicamentation. C'était rendu une habitude. Ça calmait ton anxiété, notamment? Ouais, mais c'était un pont, c'était juste une habitude. C'était juste comme mon cerveau fait, OK, là, il est telle heure, fait que là, tu bois ta première, tu sais, puis tu... T'enchaînes les autres. Tu bois jusqu'à telle heure, puis... Puis un des premiers soirs où on habitait ensemble, on était en train de regarder la TV, puis mon FH, j'étais un peu fatigué, je vais aller me coucher. Fait que d'aller se coucher, puis moi, j'ai commencé ma routine de d'habitude, là. J'étais allé au dépanneur m'acheter un six-pack de Coors Light. Je l'ai bu. Puis après ça, là, souvent, ce que je faisais, c'est que, okay, 11h moins quart, j'ai le temps d'y aller, que j'y allais en chercher un autre. S'il était 11h05, bon, ben là, je regardais dans le frigidaire, tout ça. Fait que j'ai juste commencé la routine que je faisais tout le temps, qui était de boire jusqu'à temps que je sois fatigué. Fait qu'elle s'est levée le lendemain matin, puis il y avait des canettes, il y avait 6 canettes sur le comptoir, puis 2 bouteilles de vin vide, puis la bouteille de gin, puis elle a fait, moi, ça, ça marche pas, là. Mm-hmm. Puis, tu sais, comme je te dis, ma blonde, t'es capable d'en prendre, là. Mm-hmm. Mais elle dit, moi, ça, moi tout seul de même, juste pour le fun. Moi, personnellement, ça fonctionne. Il y a une différence entre se saouler avec sa blonde, puis... Ben, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Et se saouler au mois de février devant Canadien Columbus, là. Non, mais c'est ça l'affaire. Puis moi, tu sais... Moi, j'avais pas de problème dans ma tête. T'sais, c'était juste, comme je te dis, parce que personne n'aurait pu dire ça de moi. Parce que j'ai jamais été... Comme je suis pas un ivrogne, moi. Quand je bois, je suis zéro. J'ai pas la bouche molle. Je change pas. Je deviens pas agressif. Je deviens pas méchant. Je blackout pas. Fait que dans ma tête, j'avais pas de problème. C'était juste... Puis encore aujourd'hui, comme je te dis, je me considère pas comme alcoolique, tu sais. Mm-hmm. Parce que j'étais très capable, même à ce moment-là, de vivre avec de l'alcool sans en prendre par besoin physique. T'sais. C'est juste à ma routine. Mm-hmm. Puis à un moment donné, le fait, moi, ça me tente pas. Puis ça a arrêté là. Puis depuis ce temps-là, ça a changé complètement mes habitudes de consommation. Je suis capable d'en prendre une, puis de passer à autre chose. Fait qu'il y a plein de petites affaires comme ça quand on a commencé à habiter ensemble où j'ai rencontré quelqu'un qui était vraiment... qui s'en faisait vraiment pour moi, tu sais. Mm-hmm. Puis moi, dans toutes mes relations, j'étais toujours celui qui prenait soin de la personne tout le temps. Moi, ma mère est beaucoup comme ça. Ma mère, elle prend soin du monde. Elle veut toujours que tout soit correct. Puis elle veut... Tu sais, si ma mère gagnait, mettons, le million, là, après 6 jours, il n'y a plus rien. Là, parce qu'elle donne à tout le monde. Puis tu l'appelles, j'ai besoin de ci, elle le ferait, tu sais. Fait que moi, j'ai beaucoup de ça. Puis Myriam, c'est la première personne... qui a comme fait, hey, tu sais, j'ai pas besoin que tu me paternises, là, fait que... Puis ça m'a fait me regarder, moi, au lieu... Avant, j'étais tellement fier, puis j'étais tellement cocky de, ah, moi, je prends soin du monde, puis je suis là, puis je suis le caretaker, que quand il a fallu que je me regarde dans le miroir, puis j'ai fait, oh, OK, non, j'ai des affaires à changer. Fait que c'est ça, c'est une relation qui a... Au-delà de ma fille et de notre maison et du mariage, c'est une personne qui a eu un impact très, 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 très important dans ma vie. C'est une super belle histoire, merci. Oui. Merci de la partager. C'est elle qu'il faut applaudir, c'est pas moi, j'ai rien fait. Ben oui, bravo à Myriam. Ouais. T'as rien changé pour moi. Ben non, absolument rien. Absolument rien. T'es un gars chauve qui parlait fort, t'es encore un gars chauve qui parle fort. Mon amour. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah! Oh yeah! C'est le moment tant attendu des dates, mesdames et messieurs! Présenté par Eros et compagnie, un sex shop. T'as envie de te masturber, t'as envie de faire plaisir à quelqu'un, t'as envie de mettre de quoi de pétillant dans ta vie amoureuse. Eros et compagnie, code promo couple 15 de 15%. Let's go! Simon, t'as un petit cadeau de la part de Eros, tu peux l'ouvrir. Là, c'est le moment où je l'ouvre. Il y a une petite carte. Ouais, ils t'écrivent des beaux mots. Ah oui? Ouais, avec le sperme du fondateur.
je la lise ou... C'est secret. Non, mais ça peut pas le temps d'écrire ça. Tu peux garder ça intime entre toi puis eux, là, c'est comme tu veux. C'est mieux la lire, parce qu'ils ont pris le temps, tu sais. Qu'est-ce que c'est? Gel sensibilisant pour le couple. Ah! Oh. Hein? Ouvre-la, s'il te plaît, c'est quoi? Ça sent bon? Y a-tu un japonais dessus? Y a-tu un japonais? Oui, mais y a-tu ça? Y a quatre japonais. Y a quatre japonais! Y a quatre japonais! Quatre japonais. Les enfants-là, il y a toujours des japonais dessus. Toujours des japonais. Puis c'est rarement fait au Japon. Puis souvent fait à l'anodière, puis il fait « Mets des japonais, le monde va l'acheter, là. » Ils vont penser que ça vaut quelque chose parce qu'il y a un japonais. On n'en est pas revenu, hein, du Kama Sutra. On n'en est pas revenu. C'est l'Inde, mon amour. Non, je sais, mais... D'ailleurs, parlant de Kama Sutra puis de japonais... Ouais. Tu sais, la toune... Ben oui, je t'écoute meilleur si j'ai amené. Non, mais tu sais, la toune de Mitsu, là... Les Chinois? Non, c'est... pas comme ça? Les Chinois? Ouais. Oui. C'est wrong. La seule toune que tu connais? Non, mais je me demande... Non, mais elle dit « Fais comme les Chinois, Kama Sutra. » Fait que... Et mélanger, on pensait que le Kamasutra, c'était chinois. Ouais, aimez-les, Mitsu. Aimez-les. Je paierais 2000$ pour la fois à la fête. Quelqu'un, il a dit, tu sais que c'est pas chinois. C'est numéro un depuis 6 ans. Whoops. Oh, fuck. L'album Terre des Hommes, un grand album de Mitsu. Terre des Hommes, que ça s'appelle? Ouais, Terre des Hommes. Ouais, là. Ben là, ça sent-tu quelque chose, cette affaire-là? On sait pas encore. Puis là, ça, c'est à quoi ça sent? C'est pour quelqu'un. Okay. Oh. Super. Ah, oh, on dirait une vape. Ben, je sais pas. Ah, mais c'est du gel. C'est du gel pour quand tu te frottes. Mais non, s'il te plaît, je veux savoir c'est quoi. Je pense pas que ça va ses mains. Mais faut pas être plate avec toi, là. Appliquer du bout du doigt sur le clitoris. Ah! Le gland avant la relation, en massant doucement. Chaud, c'est bon. Shit! C'est comme du lube. C'est du clitoris? C'est ça. Ça chauffe ou c'est froid? Gang, je veux que vous êtes cochons, là. C'est chaud, voilà, c'est ça. Ah, okay. Qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, c'est que ça vient chercher dans le fond. Veux-tu monter et nous le dire? OK, non. Je vais répéter. Ça vient chercher la chaleur. Dans le fond, ça vient augmenter la chaleur dans le fond au niveau du monde. Donc, ça fait... Donc, ça vient augmenter le plaisir. OK, ça augmente la chaleur au niveau du monde, alors ça augmente le plaisir. Et ton ami est mort de honte. Ouais! Non, devant, non, moi, je t'adore. Est-ce qu'on l'aime? Come on! Ben ouais! Merci beaucoup. On a tous un clitoris. On a tous un clitoris. On n'est pas honte d'un clitoris. Hein? Des fois, il est petit, des fois, il est très gros. Merci beaucoup, Eros. Et compagnie, oh oui, va me mettre ça sur le bat dès que je peux. Le plus rapidement possible. Dans le char, là, en sortant. Myriam est heureuse. Myriam est heureuse. Tout le monde va être heureux. Tout le monde. Le coucher avec Simon, c'est le fun. Elle était déjà heureuse. Tu le sais pas, Tom. Convaincu. Non, tu le sais, des fois. Oui, on s'est déjà. On s'est déjà imaginé si on était amants. Toi pis moi? Ouais. Puis tu m'as dit que. Moi, je te donnerais un nesti de go. Ouais, c'est ça que tu m'as dit. Ah, moi, là, je te cracherais dans la ouais. Rue. Puis tu m'as dit, ouais. Puis tu m'as dit, tu me rappellerais pas. Non, mais c'est parce que je saurais que t'aimes ça. Tu comprends? Non, ça. Ça serait tout en respect et ça serait consentant. Non. C'est ça que c'est meilleur si je. Non, mais ouais. Ça serait consentant, mais avec une petite touche de. Non, une petite touche de tu veux un peu plus loin. Ça serait consentant. Oh, oui, j'aime ça. Puis tu m'avais dit que t'avais pas me rappeler, puis c'est le bout que j'ai moins aimé. Ah, oh, man, mon gars, t'entendrais plus jamais parler de moi. Ça, c'est terrible. Ça, c'est le bout que j'aime pas. C'est le bout que j'aime pas. Parce que c'est bon, puis j'en veux d'autres, puis je n'ai pas. Non, mais c'est ça, c'est un one-shot deal, c'est donne tout, puis après ça, c'est. Wow. Faut qu'il oublie. Pour vrai, là, m'a passé mes clés sur ton char. Ça va être moins. Puis tu vas savoir. Fais du loup, sur... C'est ça. Bon. C'est des choses qui arrivent quand... On part ça? Une première date. Est-ce que t'es prêt, Simon? Oui. Oui, juste pour ceux qui savent pas, les gens nous écrivent. Couple ouvert, podcast, @commercial.gmail.com. C'est une date. Écris-nous. Ils nous écrivent. C'est anonyme. Et nous, on se permet de dire ce qu'on veut. Alors, voilà. Très bien, merci. C'est comme sexe et conseil, mais on parle moins vite. Mais c'est vrai qu'on rit comme sexe conseil. On est pareil. OK. OK, date/relation est trop de wrong. C'est une femme qui nous écrit. OK. Ah oui, j'ai un défi pour toi. Je t'écoute. Je pense pas que tu vas le relever. Sois pas à bout de ça. Sois pas comme... Dis-toi, faut que tu dises pas genre « Ah, oh, tabarnak, calice. » Et... À chaque seconde. Ouais. Tu veux que je reste ouvert? Ah non, reste pas ouvert. C'est pas, reste pas ouvert à ça. Non, pas... OK. Alors, c'est bon. Mets-toi dans ton ancien pattern de juger très vite. Ah oh, oui! Ah oh, oh, oui, oui, reviens! Ah oh, oui! Ah ben oui. C'est un faux défi, parce que ce date-là, là, bonne chance de pas trouver ça épouvantable.
C'est parti. Nous étions dans le même programme au cégep. Je ne connaissais personne. Je me suis donc fait plusieurs nouveaux amis, dont un homme qui m'intéressait, mais on n'avait pas les mêmes valeurs. Au cégep, c'est pas des hommes, là. Je sais pas. Hey, les gars, là, en face, là, du cégep du vieux qui joue à qui, c'est pas des hommes. Dis pas, ouais, ces gars-là, ça va construire un pays, là. Ah. C'est ça, t'es avec qui pour ton travail d'équipe? Deux hommes! Deux hommes! OK, sauf que nous sommes devenus très bons amis. Un jour, quelqu'un m'a ajouté sur MSN. Le gars que nous appellerons... C'était pas la semaine passée. C'était dans les premières années du cégep, là, on s'en fout. Oui, là, c'est en 77, là. Genre, le PQ est au pouvoir. René Lévesque, t'as envie, c'était génial. Ouais. C'est sur une base volontaire. Non, MSN puis cégep, là, c'est dans le temps que, tu sais, le gars de l'association étudiante, il y avait toujours le même gars de l'association étudiante qui portait le T-shirt break syndical. C'est ce gars-là. Là. Oui. Okay. Un jour, quelqu'un m'a ajouté sur MSN le gars que nous appellerons le King. Mais là, tu vas comprendre. C'est donc qu'elle-même a décidé de l'appeler. C'est pas elle qui décide. OK. Il avait eu mon contact par mon ami car il m'avait remarqué dans les cours et savait que nous étions amis. Bref, j'avais eu des chums avant, mais j'avais des relations sexuelles. Ça, c'est une drôle de phrase. Oui, mais oui, ça. Habitue-toi aux drôles de phrases, ma chérie. Habitue-toi aux drôles de phrases. Fast forward, date assez ordinaire et simple. C'est pas Raphaël Germain qui nous écrit. Mais qui aurait déjà dû allumer sur le style de personne, mais j'étais jeune et naïve. Déjà, dans une date au resto, quand j'ai remarqué qu'il tenait sa cuillère comme un enfant de 2 ans, ou comme la bête dans La Belle et la Bête. Moi, je suis d'accord. Moi, ça, c'est un deal breaker. C'est moi le king. OK, monsieur. Je suis pas, mais va jusqu'au bout du bête. Lâche pas. Je vais faire toute la scène. Okay. Mais pourquoi pas? On est là pour ça. Dans une date au resto, quand j'ai remarqué qu'il tenait sa cuillère comme un enfant de 2 ans, je me suis demandé comment se fait-il qu'à 23 ans, personne ne lui avait jamais dit comment... 23 ans, cégep, c'était un peu vieux. C'est pour ça qu'il dit que c'est un homme! 23. Il y a des gars qui travaillent dans cet âge-là. Dans sa classe, il y a des gars, mais il y avait un homme. C'est lui qui... OK. Il m'avait dit vivre temporairement chez ses parents. Ah non, c'est ça. Oh my God! C'est un long temporaire, là. Mais qu'il avait sa place bien à lui dans leur maison. Je découvre plus tard que sa place à lui n'est qu'une télé au sous-sol avec un divan. Le 1900 tranquille et sa chambre était à l'étage, voisine de celle de ses parents. On repassera pour sa place bien à lui et l'intimité. Une fois, sa mère était entrée sans cogner pour fermer la fenêtre de la chambre alors qu'il pleuvait. J'étais nue, elle m'a vue, mais a quand même poursuivi jusqu'à la fenêtre. Oh, mère femme! Il y aura, je m'en fous que tu sois à poil, j'ai déjà vu ça des seins, il y aura pas d'eau chez nous. Non, non. Il y aura pas... Les planchers vont pas gondoler. Non, non, parce que mon petit fils niaiseux sera moi. C'est le propriétaire responsable. Ah, ah. Ouais, voilà, voilà. Alors, pour vous donner une idée du gars, il manquait cruellement de confiance en lui au point d'installer des néons sous son véhicule. Et il s'auto-surnomme King Size. Voilà! Pour les cigarettes ou pour... Je sais pas, elle dit pas. Je pense que c'est un fumeur. Je pense que c'est... Il fume des McDo King Size. Je pense que c'est ça, même. Il fume des McDo King Size. Moi, on m'appelle King Size. C'est pas bon. Il fume juste des King Size. Eh oui. Okay. Toi, tu vapes, mon amour. Fait que pas commencer à... J'ai perdu mon vape. J'étais assez triste. T'as perdu ton vape? J'ai perdu mon vape. Oh. Il fouillait dans toutes mes sacoches. J'en ai deux. En tout cas, j'ai fini par perdre ma virginité avec lui, jeune et innocente. Je pensais être en amour. Oh. Il me demandait sans cesse si j'aimais son pénis. Oh oui, là, ça part! Si je le trouvais assez gros. Ce qui veut dire qu'il y a un petit pénis. Parce que... Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça, moi. De quoi? Quand est-ce qu'il demande? Pendant? Avant? Oui. Après? Je le fais des fois, mon amour, tu le sais, là. Ben voyons. Ah. Ouais. Ah. Je fais pas ça, moi. Tu m'écoutes pas qu'on fait l'amour. Tu me demandes, t'aimes-tu mon pénis? Tu le trouves-tu assez gros? Non, pas dit de même. Non, pas dit de même. T'imagines? OK. Bon. À plusieurs moments, il m'envoyait... Non, le moment intime.
à plusieurs moments. Il m'envoyait comme question. C'est une question légitime. Il m'envoyait des courriels et dans le sujet c'était écrit deux points X à ouvrir seul. Ouais. 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 C'était des photos de lui bien bandé qu'il envoyait, qu'il avait pris lui-même dans des posts beaucoup trop « Regarde mon pénis ». Il y a eu des courriels de sa graine. C'est bon! C'est bon! Mais c'est quoi une pose « Regarde mon pénis »? Il est là. Ou genre comme Kevin Richardson. Hey. Snoop. Ou l'habituel. Parce que le plus fou des photos de pénis de gars, c'est qu'on est tellement concentré sur notre pénis qu'on notre face est fucked up. Fait que souvent, il y a le pénis, puis on a... Et comme ça, t'excites pas? Pourquoi ça t'excite pas? T'aimes pas mon pénis? Non, c'est pas ton pénis le problème, c'est que le reste. T'aimes pas mon pénis, c'est ça ton problème. Genre, t'aimes pas mon pénis. Je me dirais que non, c'est calice, c'est pas le pénis, c'est... OK. Alors, je vous rappelle qu'il vivait chez ses parents. Il faisait ça dans le sous-sol et dans leur salle de bain. Mais là, attends une minute. Là. Vous êtes choqués de ça, là? Non, ça, oui, ça, attends. Tu sais que tu prenais des photos de ta graine, toi, que t'as pris? Salon. Salon. Salon-chambre. Salon-chambre? Ouais. Des salles de bain. Ben non, mais je te dis pas salle de bain, mais je te dis, il habitait chez ses parents, il faisait ça chez eux. Tu sais qu'il veut qu'il loue un studio, Steve? Ouais, oui, tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Yes. Ou au cégep. J'aime la compassion que t'as pour cet homme, je comprends. Ben non, mais là. OK. Simon King Size. En ce moment, moi, je suis du bord du gars. En ce moment, là. Moi, il n'y a rien fait de mal à date. Il y a surnom et cœur, hein. Ouais, ouais. Il y a probablement une bonne graine. Puis il fait pas son épicerie. Il souhaite plus. C'est le rêve. C'est le rêve. Et il prend son temps aux études. Oui, il prend son temps aux études. Hein? Oui, j'ai 23 ans, puis je suis aux études. Puis quand tu y bombes une clope, c'est une king size. Ben oui, ça, c'est bon. Moi, ça me rendait particulièrement inconfortable. Je vous ai dit que je suis prude. Surtout à cette époque, je découvrais à peine la sexualité. Faut aussi rappeler que c'est un gars de 23 qu'une fille de 17-18, là. Ouais. Qui envoie des emails, hey, à ouvrir seul. Lui, dans la chambre. Non, pas, non, dans la salle de bain de ses parents. Regarde. Non, mais tu veux que ça soit quoi, le courriel à ouvrir avec tes parents? Oui, non, où Je suis vraiment désolé, mais à date, je comprends pas ce qu'il a fait de mal. Je comprends. Il n'y a rien fait de mal. C'est bon, c'est pas bien non plus. Ouais, c'est vrai. Ah, t'as oublié que c'est. Ouais, mais ça, c'est pas la faute du gars, c'est la mère qui est folle, c'ti. Je sais pas. King Size, lui, il est bien correct. Mais King Size, t'es. King Size, a rien fait là-dedans, c'ti. King Size, est là. C'est Queen Size, le problème. King Size, il y a une fille tout nue dans son lit, man. Tant mieux pour lui, c'ti. Hey, c'est vrai, une belle journée, il pleut un peu, il fait gris, tout nu dans le lit, on est bien, quand même. Oui. Excusez, je suis vraiment partie. Pourquoi? Bord ta porte. Et voilà. Bord ta porte. OK. Également, en tant que mâle dominant, parenthèse, sarcasme, fin de la parenthèse. Ah, c'est dit. OK. Il me disait toujours, si je suis sur toi, je viens trop vite, viens sur moi. OK. Il était... Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est toujours. Fait que, mettons, il mange. Ouais, plus tard, je vais toujours sur toi quand t'es sur toi. Toujours. Il était si mauvais qu'une fois en position levrette couchée sur le côté, je m'étais endormie et je s'en étais pas rendu compte. Fait que peut-être pas un si gros pénis que ça. Non, clairement pas, il est clairement pas là. Ça glisse, hein? T'es King Size, il est moins. C'est moins puissant. Pauvre gars. Sortir avec une fille. Mais c'est vrai. Qui m'a autant de respect. Il n'apprécie pas comme voilà. Il est tellement offrir. On continuait de se voir, même si je comprenais bien que ce ne serait pas l'homme de ma vie. Mais bon, on dirait que je croyais au miracle de le voir soudainement devenir un meilleur match. Un matin, alors que j'avais dormi chez ses parents, mon cell sonne. Nouvellement redouté, mon grand-père adoré est décédé.
Tadam! La mort. Je raccroche, je pleure. Il me colle pour me consoler et me chuchote à l'oreille. Ouvre les guillemets. J'aimerais que tu prennes mon pénis avec ta bouche. Il a pris son grand frère. Hey, il voulait une. Il voulait être ma défense. Ça, c'est moi. Celle-là était trop. King size l'a échappé. Là. Ouais. King size doit travailler sur ses condoléances un peu. Il faut tous s'améliorer, hein? Il faut tous évoluer. À part ça, il n'est pas fini. Offusqué, je me lève et lui dis qu'il est dégueulasse. Une fois chez mes parents, j'ouvre mes courriels. Devinez! Il se rachète! Il se rachète, mais c'était pas bon, ça. Il se rachète. God. Ouais. Un courriel avec plein de photos de sa queue pour s'excuser. Avec la face! Excuse-moi! C'est moins facile à défendre. Après ça, s'est suivi une pluie d'excuses et une fille trop bonasse qui retourne encore. Une fois alors que je lui faisais une fellation, c'est silence dans la chambre et j'entends un bip, je doute, un autre bip. Je dis, voyons, c'est quoi ça? Lui, rien, rien. Rebip, je me lève la tête, il tentait de me filmer à mon insu. Ouais, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Non, ça, c'est garbage. C'était le début de la fin, visiblement. Oui. Mais il faut croire que... J'aime le début de la fin. Oui, parce qu'elle... Pas mal la fin au complet, je pense. Pas mal le générique et... Elle lui a pardonné parce que elle dit, j'ai voulu continuer de tourner le fer dans la plaie. J'ai continué à le voir. Il me faisait sans cesse des crises de jalousie si j'écoutais un film ou émission avec des hommes dedans. Ça, c'est... Genre, tous les films? Ah bon, ouais. À part... Je sais pas. Okay. Mais non, c'est ça. Tu regardes genre Desperate Housewives. La seule affaire était correcte. C'est okay. Céline Sunset, c'est la seule affaire que tu peux regarder. C'est Céline Sunset ou rien. Housewives of Orange County ou je sais pas quoi. Là. Et au cégep, quand j'étais trop amie à son goût avec les autres gars, j'avais pas le droit de leur parler. Sinon, on était en chicane, lui et moi. Bah oui, des fois, je le soupçonnais de me tromper quand j'avais trouvé dans ses courriels une vidéo de porn envoyée par une autre fille. Oh! Une vidéo de porn, c'est, hey, c'est bon ça sur Pornhub ou c'est moi qui fais la même chose que toi, mais en courriel? Qu'est-ce que tu penses que là? Qu'est-ce que tu penses que quand tu dis une vidéo de porn, c'était une fille qui se masturbait ouais. Ou c'était ah oh, ça c'est mes favoris sur Pornhub. Non, c'est une fille avait aussi utilisé la tactique des courriels. Là, je comprends. Très courriel hein pour être. Qu'elle avait sûrement intitulé sujet à ne pas ouvrir avec tes parents comme on. Ouais, avec ta blonde, à pas ouvrir avec ta blonde. Oh. Ce qui est la première chose qu'une blonde ouvre. Oh. Il m'avait pété une coche quand j'avais fouillé dans ses courriels. Tu sais, c'est moi la mauvaise là-dedans. Un soir que j'allais chez lui, parenthèse, chez ses parents. Oh, c'est bon, ça c'est une belle. J'arrive au sous-sol et. Vas-y. Non, mais là. Il y a quelque chose. Dis-le. Non, mais j'ai débarqué du team King Size, là, mais. J'imagine. Oui. J'imagine. Depuis la caméra, j'imagine. Mais non, mais un peu. À 23 ans, j'habitais chez mes parents, là. On se calme, là. Mais je pense que c'est parce qu'il a fait à croire qu'il était là temporairement, tu sais. Ouais. Ah oui, mais on l'est tous. Ouais, mais... T'es en train de retomber, toi aussi, dans son piège! C'est-tu toi? C'est-tu le fille qui sortait avec toi, man? Là, c'est-tu Marie qui t'a écrit? Des erreurs, là, tu sais. Ben oui, on a tout envoyé des courriels après. Okay. Une nouvelle très difficile. J'arrive au sous-sol. Il est en train de danser seul en buvant de la bière. Et... C'est toi! C'est toi! Oh, c'est trop fait génial! My God. Oh my God! Et la pièce est pleine de boucanes et je le soupçonnais d'avoir pris un speed, mais il disait que non. Ouais, généralement, quand le monde te soupçonne de prendre du speed, t'as pris du speed.
Généralement, là. Il aimait bien. Non, pas suspect, pas suspect. Moi, je suis pas suspect. Veux-tu faire quelque chose? Veux-tu tout aller pendant? Moi, je vais dépendre. T'as-tu de l'eau? Moi, j'en ai un seul. Mais le bleu, c'est bon. Mais en tout cas, on en boit jamais. Moi, quand j'en bois, tu te rends compte, c'est tellement bon. Mais est-ce que c'est beau? Je me suis pas revenu tellement à cette époque-là. Je porte des chaussures de basket parce que comme ça, j'ai pas. Comme ça, je suis tout le temps prêt à jouer au basket. Tu sais jamais quand est-ce que t'as besoin d'aller jouer au basket. C'est d'un coup, il y a un gars qui cancelle, là. Tu peux aller jouer au basket n'importe quand, et t'es toujours prêt à aller jouer au basket, là. Il aimait bien gros sa machine à boucan. Quelle phrase incroyable. Ça, c'est... Les gars, il y a une machine à boucan dans le sol de chez Parent. OK. On joue à Guitar Hero. Ah, ça, c'est bon. Non, 2013, c'était cool. 2013, c'était une belle année. Okay. Ouais, Rock Band, je trouve qu'ils l'ont échappé. Il aurait dû rester à Guitar Hero. DJ Band, c'était... Mais pas le drum? Le drum, c'était... Cool. Ah, t'es un gars fidèle. Ouais, j'aime guitare, aussi, mais la personne qui faisait le chant, des fois, c'était ça. On n'en parle pas, c'est non. On boit, la soirée avance, et à un moment donné, il me sert un verre que je trouve étrange. Plein de graines flottent sur le verre. Je le questionne, il me dit, ah oh non, c'est juste des épices. Je goûte et je me dis non. Time out. Même si des épices, tu le prends pas. Tu sais, ce qui est génial, c'est que... Oui, c'est de la drogue, mais tu vois, mais... J'ai mis du romarin, tu sais. C'est pas... Ouais, c'est ça. Mais j'ai mis du poivre dans ton romaine coke, man. Je sais pas, là... Ben, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, c'est... T'es plate? Tu mets pas de poivre, toi, dans tes romaine coke? Non. OK, il avait écrasé un speed dans mon verre d'alcool. Je voyais noir. Right? Je l'ai sacré là, je lui ai lancé ses lingeries cheap. Oui, il achète des lingeries dans... OK, mais ça aurait été le fun qu'elle nous mette en contexte. Là, il vient juste d'apparaître comme ça dans l'histoire. Elle est fâchée, critique là pas. Elle a souffert. Qu'il a d'ailleurs redonné à une autre fille alors que je les avais portées. Attends. Respect. Ça, je respecte ça. Simon aussi, mais il le dira pas. Mais... Je respecte ça. Par aboutissement, qui respecte ça? Mais génial. Le gars en avant, ah ouais, on est deux. Il y a une fille qui attrape pas! Une fille qui s'est détachée de son chum! Il y a une fille! Ok, faut que je vous... Chuchi! La salle est incroyable. Tout l'autre podcast est collé sur son chum. Il va se coller sur lui. Il fait ouais, elle fait... Tu vas lui écouter tout seul en assister le show, là. Tu vas marcher. Je sais pas. Ouais. T'aimes-tu ça marcher? Ben, tu vas marcher. Oh mon Dieu. Hey, avoir su, j'aurais amené les Boxer Manscape. Avoir su. On en a pas. Un gars très excité, par ça. Prochaine fois, t'en donnerai un. OK. Un jour, je suis débarquée chez ses parents à l'improviste car je savais qu'il avait sur son ordi des photos compromettantes de moi que je voulais récupérer, mais surtout effacer. Je fais donc le ménage de son ordi, me copie sur une clé USB. À part quand même, comme là, ça, je vais utiliser ça, ces belles photos-là. Ben oui. Ben oui, on a 18 ans une fois dans une vie, hein. Un bon selfie, tu le gardes. Ouais. Je prie qu'il ne reste aucune copie de photo. Rendu chez moi, j'ouvre ma clé USB et je trouve des montages photos cheap de ma face et son pénis à côté! Dans ma face! Imagine du Photoshop! Il avait fait des montages photos! Est-ce que, tu penses que... Ma chérie, je pense que t'as une entrevue, puis une entrevue de job, il a dit, est-ce que t'es pas en Photoshop? Ouais. T'as-tu... Peux-tu le montrer? Maîtrise la suite, ouais. Office. Oui, Photoshop. Mais, peux-tu le montrer? Non. Non, je peux pas te nommer, fais-moi confiance, je suis bon. Si tu veux mettre une face puis un objet à côté, fallait que je suis le meilleur. Toi, c'est ça. Sais-tu de quoi t'as de l'air quand tu sors une graine? Donne-moi 10 minutes. Oh. À sa défense, de qui à sa défense, oui, à sa défense, on a tous droit, on est. C'était la face de sa blonde et pas d'une autre fille. À sa défense, votre Simon, honneur. Non, Simon, si je suis. Non, mais tu sais, classique, quand tu te crosses, tu penses à moi. Ben oui, garde, clairement, clairement, là, t'as la preuve physique, là.
ouvre tes courriels, pas devant tes parents, mais ouvre tes courriels. T'as la preuve. T'as la preuve que c'est à toi que je pense quand je me crosse. Oui, oui. Indéniable. Hey, tu m'as convaincu. Ah. Il est libéré. King size, il est libéré, là. Il marche, puis il envoie des... T'as-tu fini? C'est la... Ben là, je sais... Oui. Finale, hein, elle a dit, il avait fait plusieurs photos comme ça. Ça résume les moments les plus glorieux de notre relation qui me donnent le plus honte, mais je pense que j'aurais pu continuer encore tellement je vivais des trucs pas possibles avec lui. C'est pas... She loves the players and she loves the game. Si vous racontez ma date, pouvez-vous me le dire, s'il vous plaît? On te le dit, on raconte ta date. On raconte ta date. C'est incroyable. On l'applaudit. Bravo à cette femme. Wow. On applaudit, bravo à cette femme. Ça, c'est incroyable. C'est quoi ça, déjà? Ah oh, oui, ça! Attends, juste... Parlez-le. Ok, Thomas a écrit... écrit cochon, puis l'oreiller. Ça, c'est nos didascalies, juste dire. Si vous pensez qu'on fait pas de l'art, là... Très fort, très fort. On va l'avoir, la subvention. On va l'avoir. T'avais-tu une note à dire là-dessus? Ou tu voulais-tu que je la refais la semaine? Non, parce que une fille qui vit avec Lila. Okay. Mais il me semble que c'est cochon, ça. Ben, que... il me semble, t'es pas sûr, de toute évidence. Regarde, Lila, c'est mon amour, s'il te plaît. OK, je pars avec celle-là. Parfait, t'es prêt pour une autre? En passant, ce soir, on a plein de dates, fait que ça va... Ça s'intitule « Un collègue et plus ». Ouais, c'est cochon. Allô? Je l'ai noté, je l'ai rayé après, mais t'sais. Alors, allô, Stéphanie, Thomas et l'invité. Je vous aime tellement et les segments Eros et compagnie sont mes préférés, alors j'ai décidé de vous écrire aussi parce que je suis incapable de garder un secret et que je le garde pour moi depuis trop longtemps. Hey, c'est la meilleure place pour garder un secret YouTube. Meilleure place. Ce n'est pas vraiment une date, mais je crois que vous allez aimer l'histoire qui m'est arrivée. Il faut comprendre que je suis une jeune femme de 30 ans célibataire qui est vraiment bien seule et que j'aime le sexe un peu rough, donc un peu plus dur à trouver. Non, non. Ben, tu sais fort, génial! Elle manque pas d'hommes pour la brasser. Faut savoir où chercher. Elle dit, c'est pas difficile de trouver des hommes qui n'ont pas un problème. C'est ça, là, oui. J'en ai 7 dans mon téléphone. J'en ai de chaque couleur de cheveux, mais pas de problème. Il y a un an, j'ai décidé de m'ouvrir un compte OnlyFans, ce qui a bien sûr assuré l'attention de la gente masculine, surtout ceux à mon travail. Je sais pas, ça. Mais peut-être pas obligé de le dire. OK, t'aimerais ça, ton travail qui... C'est ça. Don't fuck with the payroll. Don't fuck with the payroll. C'est très bien dit. Don't... Hein, mon amour? Oups! Je reçois à ce moment un DM d'un collègue de travail avec lequel j'avais déjà baisé quelques années auparavant sans suivre plusieurs messages qui finissent vite par devenir cochons. J'ai dit cochon. Voilà, le mot-clé. J'ai dit cochon. Alors, on y est. Hey, pas un menteur. On y est. On s'échange des photos, des scénarios de ce qu'on voudrait se faire. On se filme, on se fait des lives. Bref, tout ce qui peut se faire en cachette de sa blonde. Oh! Mais ça rend ça cochon. Oui, il est en couple et il aime sa famille reconstituée. Et je suis bien à l'aise avec le fait qu'on doit se cacher. J'adore. J'ai dit que c'était cochon. All right. De mon côté, je suis certaine qu'il ne va pas s'attacher et que cette relation va se tenir à des vidéos de masturbation. Ça dure et ça devient de plus en plus hot. Il finit par venir chez moi après plusieurs mois à s'exciter mutuellement. On se voit et on fait ce qu'on a à faire. C'est quoi ça? C'est juste... On va relire tous nos échanges. En avril, tu m'as dit. Okay. Je lui ai fait comprendre... Au début, que je ne voulais rien de plus. Je veux juste qu'il me dise comment il veut que je l'attende. Il fait ce que je lui dis. J'aime être soumise, mais j'aime décider comment. On se dit merci et il s'en va. Aussi simple qui a fait juste que ça. Qui a fait un... J'aime être soumise, mais... Ouais. J'aime être soumise. J'aime être soumise, mais j'aime décider comment. Fait que là... Bon, oui, mais c'est... Pas à tout, ça. Mais c'est les paradoxes, c'est ça qui fait les êtres humains. Ouais, ça marche, le fils d'avant qui dit que ça marche. La spécialiste a dit que ça marche. Ça marche, ça marche. C'est genre, attache-moi de même, là, tu sais. Bon. Oui, ça marche. C'est ça. Ça marche. Non, ça marche. Mais c'est ça, parfait. Okay, je comprends. Allez, vous irez prendre un verre après. OK, parfait. On se crée des scénarios explicites. Je l'attends sagement dans la position qui l'excite le plus.
tenue sexy, brassière, culotte, bajartel et talons hauts, la totale. Au début, on n'a pas baisé. Tout ce que je voulais, c'était me faire brasser. Entre guillemets, je voulais une queue à sucer et qu'il me claque les fesses fort, ce qu'il a fait avec plaisir, bien sûr. C'est clair. Voilà. On s'est vu une fois par semaine, la même journée, à la même heure, toujours avec des scénarios prévus et surtout des scénarios différents. Je lui dis ce qui me tente et lui fait la même chose. On se regarde, on se touche mutuellement, on se filme, etc. Après plusieurs mois, c'est pas une bonne idée de filmer, hein. Ça peut juste mal finir. Puis ça peut pas bien finir parce que tu regardes ce qu'il y a. C'est quand le bon moment où tu te regardes fourré avec le gars qui a une famille reconstituée. C'est comment? En deux périodes du Canadien. Ah, un petit 15 minutes. Parce que, tu sais, l'analyse, c'est un peu niaiseux, là. Je m'en fous d'Alain Crête, là. Je veux me voir soumise par le gars qui a une famille reconstituée. Oh my God. OK, après plusieurs mois, on en pourquoi je ris d'Alain Crête? On commence à fourrer en plus. Nos scènes sont dignes d'un film de cul, BDSM, jouets, ensemble sexy, jeux de rôle, etc. Merci. Il y a une famille, lui! Comment tu peux, en tout cas... Oui, mais là, il est rendu déguisé, là, pis tout. Non, c'est ça, là. C'est ça, je peux pas donner le bain à soir. Faut je parte. Ouais. Faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Avec ma valise. Ma valise d'accessoires de théâtre. C'est ça. C'est ça, je fais du théâtre amateur. Ici, il sort avec du eyeliner. Oh, la casquette avec deux totons en plus. Bon, rendez-vous hebdomadaire. OK. Je... Bravo badminton. Ah ouais? Sûr? Parce que les gars sont fous, ouais, les gars sont... Les gars veulent jouer bandé tout le temps. Non, mais j'ai un edge sur bandé, au moins de son cerveau, c'est parfait. Notre équipe s'appelle les Totons. Bon. Je finis par avoir besoin de plus. Par plus, je ne parle pas d'amour et d'affection, je parle de challenge. Hey, OK, de nouvelles sensations. C'est assez complet, là, non? OK. On en veut plus, mon amour. De challenge, des nouvelles sensations. J'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. Il ne faut pas oublier que nous sommes des collègues de travail, on se voit tous les jours et que le monde ne doit vraiment pas savoir qu'on se voit. Ils savaient tous. Il se passe quelque chose entre nous. Ils savaient tous. Oui, ça, tu le sens. Ils savaient tous. Oui. Tu penses ça? Hein? Oui. Est-ce qu'on le sent, ça, au travail? 100%. 100%. Oui, à chaque fois. Oui. À chaque 100%. Fois. 100%. À chaque fois, quelqu'un dit, hey, faut que je te confie de quoi? Faut que tu le dises à personne. C'est sûr. Du coup, j'ai gagné un tel, tu tous. Dès que vous êtes pas là, on parle de ça, là. Sûr et certain. Enfin, j'en viens au plus croustillant de l'histoire. Pendant une journée tranquille au travail, je savais que nous serions seuls une partie de la journée. J'ai amené une de ces boules qui vibrent, télécommandée pour lui donner. Ah, le monde qui ont ça, là. Ah, il y a beaucoup c'est weird un peu. OK. Il me contrôle donc à distance et s'amuse à m'allumer lorsqu'un client vient me parler. Ah, oh, ça, c'est excitant. Aussitôt qu'on est seul, on va se mettre dans un coin. Je mets sa queue dans ma bouche. Où il travaille? Au Rona, je comprends pas, là. On va aller dans les vis, c'est jamais personne. Ça, c'est un concessionnaire de char, je te le garantis. Oh! Concessionnaire de char. Tu m'as convaincu. C'est... Oh, ouais. Ah, oh, shit, OK. C'est une vibe de concessionnaire de char. Tellement! Oui. Hé, tu as notre adresse, écris-nous. C'est un concessionnaire de char. Merci. On arrête parce qu'on entend... On arrête parce qu'on entend un client arriver. On retourne au travail comme si rien ne s'était passé, mais excité au maximum. Encore un moment seul, on retourne se trouver un coin tranquille. Il me touche. Genre Hyundai, là, c'est comme... Kia, en fait. Oh, ouais. Oh, ouais. Oh. Ah, pas Porsche, pas Buzz, pas non. Il y a du trafic, mais il n'y a pas des beaux souliers. On entend encore un autre client arriver. On arrête pour retourner travailler. Ça recommence comme ça un bout. On finit par avoir un autre moment. Et là, on ne se peut plus. On veut fourrer. Alors, je me penche sur le bureau. Il me rend sa queue. Merveilleux. On reste à l'affût. Merveilleux. Il me rend sa queue. Super. On reste à l'affût d'un... Pourquoi on a besoin de savoir ça, là, en ce moment? Là, pourquoi? Mais la fille, c'est classe Alexis de décrire ça. Fait qu'on participe à l'expérience. OK. Ouais. Hey, super cool. Là, c'est pas stupide en écoutant ça, c'est génial. Ou il fourre pendant que le segment joue. Tu penses, hein? Convaincu. Ils écoutent plus, ils ont fait le tour d'écouter leur vidéo, là, ils vont écouter le podcast. Nous autres. OK, on reste à l'affût d'un bruit qui nous dirait que quelqu'un approche, mais bien sûr, on est vraiment dedans. Donc, c'est le cas de. Oui.
Donc, c'est un peu difficile. Bien sûr, ce qui devait arriver, arriva. On a juste eu le temps de remonter nos pantalons et remettre notre masque. Oui, en pleine COVID. Je ne pourrais pas dire si le client nous a vus, mais il n'a rien... OK, mais ils sont restés comme dans le showroom. Le client a peut-être vu. Où c'est peut-être genre un Benjamin Moore? Tu penses? Une affaire de peinture. Ah, oh, ouais. Oh, c'est sûr, c'est ça. C'est un concessionnaire. OK. Non, je pense pas. Un concessionnaire, c'est pas un Benjamin Moore? Je sais que c'est la peinture, mais c'est gentil de l'avoir mentionné. C'est la peinture, ça. Effectivement. Concessionnaire, man. Je te le dis, c'est concessionnaire. Ou c'est genre le Apple Store? Impossible. Oh non, 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 non. On non, doit non. aller en arrière avec votre téléphone, ça va être très long. On cherche le problème. Je ne pourrais pas dire si le client nous a vu. OK, voilà. Ça fait plus d'un an et on continue notre petit manège. J'ai appris à me connaître encore mieux grâce à lui. J'ai pu expérimenter tant de choses. J'ai réalisé des fantasmes que je ne pensais pas dire à quelqu'un un jour. Fait que c'est moi qui ai dit. Oui. Il m'a donné encore plus confiance en moi et en ce que j'avais l'air. Merci, gang. Désolé pour les fautes. J'espère que vous êtes un peu allumés. C'est ça, Gabriel! Oui, à la OnlyFans. Non, mais c'est une exhibitionniste. Eh, ben, bonjour, l'exhibitionniste. On la regarde. Allô? Vas-tu venir bientôt? Oh, et crash. Vas-tu venir bientôt? Pisse à terre. S'en fout. Pisse à terre. C'est pas important, t'es où? Tu pisses à terre. Let's go. Ouais. C'était bon, ce segment-là. En vrai, c'est pas pire. C'était-tu encore ton canal avec Dieu, ça? Ben, c'est Zéa là qui m'a dit de pisser à terre. C'est pisse à terre. Tu veux-tu que ça soit ça? Ah oui! Veux-tu lire une date? Je peux bien. Je me souviens plus c'est quoi, mais j'ai pas noté en haut. Pire date sur Montréal amateur. Oh oui, ça c'est fou! Ça c'est la meilleure! On a un Montréal amateur. Oh oui, ça c'est quoi, Montréal amateur? C'est quoi? Ouais, c'est... Montréal Amateur, c'est un site où... Ben, il explique c'est quoi Montréal Amateur, okay, mais je pense c'est un site où tu rencontres des gens puis tu fais des affaires sexuelles. C'est un Tinder, mais beaucoup plus restreint. OK. Et beaucoup plus... Il y aura pas... On se fait des... T'es sur Montréal Amateur? OK. Mais... C'est pour kinky, là. Oui, c'est pour cochon. Il y a pas d'affaire de... On cherche des amitiés, puis peut-être c'est l'amour. Mais c'est rencontre? Ouais. OK. Puis tu joues pas au golf, là. Peut-être? Peut-être. T'es sur mon rénovateur? Non, non. OK. Non. OK. Pire date sur Montréal amateur. C'était avant même de connaître l'existence de Jalf. Ah oui, c'est Jouer avec le fantasme. C'est un autre... Jouer avec le fantasme, c'est un autre site où l'onde cochon font l'amour. Christine Morancet, j'étais là-dessus. OK. Allez, du podcast, là. C'est pas... Montréal amateur, un genre de MIRC avec, en plus, des webcams de gars bandés qui se crossent tout seuls, de madame avec un tatou Tweety Bird et ou tribal. Originaire de Pointe-Saint-Charles et de fumeux de weed, je généralise à peine. OK, mais c'est un site de cam. Une micro-société libertine très underground. Ah, c'est bien dit. Voilà. Après... Complètement dans tes cordes, hein? Moi, j'ai manqué le coucher de ma fille pour être ici, hein? Moi, j'ai pas pu dire bonne nuit à ma fille ce soir, là. Est-ce qu'elle a le Tweety Bird? Après y avoir navigué longtemps en quête d'aventure, à la recherche de la perle rare et toujours sans succès, un gars se disant en couple vient me parler. Ce n'est pas chose rare qu'un gars s'invente une blonde pour pouvoir te parler cochon et y avoir des photos de graines. Oh. Je leur demande donc d'ouvrir la cam pour me confirmer une présence féminine. Je vois alors le dit garçon et, à ma grande surprise, une belle grande blonde aux allures de mannequin à ses côtés. Je deviens tout à coup très excité, mais quand même perplexe. Attends, c'est drôle d'être excité mais perplexe. C'est un drôle de mélange. Je suis au début de la vingtaine et je n'ai jamais baisé aux côtés d'un autre homme. Mais c'est une fille ou un gars qui parle? Un gars qui parle. C'est un gars qui parle. OK. Un gars. C'est un gars. OK. C'est un gars. Là, vous allez comprendre que c'est un gars. OK. Je suis bien bondé! Je pense que c'est l'inverse. OK, parfait. Un gars se dit en couple, viens me parler. Ouais.
OK. Je suis au début de la vingtaine. Je n'ai pas trouvé de femme seule et je n'ai pas accès au code promo couple 15. Mes options sont donc limitées. Je sors d'une longue relation et je suis en mode on a juste une vie à vivre. Let's go. Je dois aller les rejoindre à leur appart sur Sainte-Catherine-Est. Oh! On a juste une vie à vivre. La porte sera débarrée et ils seront dans la chambre. Oh, nu. Ouais. Et elle sera en train de le sucer dos à la porte. C'est très clair, hein? C'est... On a juste une vie à vivre. Ah ben, ça s'améliore pas. Je rentrerai une petite ligne prête à être sniffée m'attendra sur la table de cuisine. C'est des bons hôtes! Je rentrerai une petite ligne prête à être sniffée m'attendra sur la table de cuisine et je devrai ensuite rentrer dans la chambre pour venir enculer mademoiselle. Que c'est pour mon public qui écoute ce podcast là. Oh my God. Hey, je vais vendre zéro. Mon gars. Ok, donc je devrais ensuite rentrer dans la chambre pour venir enculer mademoiselle. Oh boy, on a juste une vie à vivre. Ok, let's go. J'étais sur une fin de boss de joie. C'est quoi ta vie? Oh my God! Oh boy! Ah, j'ai une vie à vivre, hein? J'étais sur une fin de bosse de joint. J'étais vraiment trop horny pour réfléchir. Je prends donc mon char et je vais! Résident. Oh, God. Oh my God. Sur une fin de bosse de jeu. Résident sur la rive sud. Je me rends à Montréal. Oh my God, il prend le pont. Oui. Je suis bien énervé et un peu stressé. La route m'a donné le temps de réfléchir un peu, mais bon, je fonce. Oh je rentre dans le dit appartement. C'est sombre. C'est pas la première affaire qui cloche, là. Musique électro-sulfureuse en fond. Oui, c'était libertin. Mais c'est ça, pareil. Il y a la musique de Blade. Je vais sniffer la table et j'arrive. Pour vrai, t'sais, autant toi tu cautionnais King Size, moi j'aime tout de ça. Oh, tout, m'en aller de Longueuil. Le gars, il voit la poudre de sa table, il fait « T'as la bonne place. » Mais aussi... Bien rendu! Aussi, c'est sûr que c'est de la coke. Ah oui, c'est sûr. Oui, c'est ce genre-là, ils mettent pas de n'importe quoi. Ben oui. Non. Tout le monde meurt du fentanyl, mais pas moi, tu sais. Oh. C'est juste la première page. Je vais sniffer la table et j'arrive. Oh. Aucune mauvaise surprise en rentrant. Tout le scénario prévu était en place. J'ai vraiment une belle vue en entrant dans la chambre. Je me mets nu. Et comble de malheur, je ne bande pas. Je croule sous la pression et en plus du regard du gars qui se fait engloutir le bat. Qui semble me dire « What's up? Qu'est-ce qui se passe? » Tout ça de façon un peu impatiente ne m'aide pas du tout. C'était à prévoir, mais j'étais jeune et naïf. Pourquoi naïf? Moi, j'ai déjà été naïf, mais tu bandes pareil, mais bref. Pourquoi tu bandes pas? Je suis naïf.
Je crois n'importe quoi. Je n'avais pas l'expérience pour comprendre que toute cette situation n'était pas pour moi du tout. Il savait pas! Il est tard en tabarnak pour t'en rendre compte, là. Les gars, 5 TNS! À poil pas bandé! Il y a une fille ici qui pompe un gars! Il rentre! Ah ouais, je suis pas à part là. Il rentre dans la porte, noir, pou, 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 non! C'est pas moi, ça! C'est pas moi, je suis plus big. Moi, je suis bed and breakfast. Oh my god! Je t'en prie! Je n'avais pas l'expérience. Moi, je suis plus un gars de marche. Moi, faut qu'on prenne une marche. Je n'avais pas l'expérience pour comprendre que toute cette situation n'était pas pour moi du tout. Et j'étais trop en mode YOLO avant même que l'expression existe. Finalement, rien à faire. J'ai la patate qui pompe en fou et le sang ne se rend pas là où il faudrait. Elle se retourne et essaie finalement de me soucer. Finalement! De me soucer! Oui! Finalement! Moi, j'aime le finalement. Il attendait juste ça, mon amour. Qu'est-ce qui te fait rire, ma chérie? Elle se retourne et essaie finalement de me sucer. Rien. On dirait que la honte, le stress et la cocaïne ont complètement gelé les parties intimes. La honte, la... Je n'ai plus aucune sensation à cette extrémité. C'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse. C'est plus drôle que triste, jeune homme. Pas être plate d'autre, mais ça fait une couple de paragraphes. T'as commencé à trouver ça triste avec la. Il était sur la fin d'un buzz. La fin, ou... la fin d'un buzz de joint, ça m'a. Je sauta donc dans ma voiture. C'est d'une tristesse. La fille me met alors sur le dos, embarque sur moi et me French. Le gars la fait alors jouir sur moi. Ça gicle partout, une vraie fontaine. C'est une première pour moi. Je suis très excité, mais mon pénis ne le sait pas, on dirait. Oh my God! Ça, c'est bien écrit! Ça, c'est bien écrit! Ça, c'est bien écrit! Toujours dans cette position, je French avec la dame et mon gland commence à être sucé. Ouais. Oh my God! Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma tête. À qui le dis-tu? À qui le dis-tu, mon chum? Comment je peux frencher une dame qui me suce en même temps? Hein? Mais je comprends pas. Hein? Oh. Il est pas médecin, hein, cet homme-là. Il guérit pas les enfants malades. Hein? C'est pas... Une tumeur. Oh, oh my God. C'est-tu que ma vie est plate? Alors, comment je peux frencher une dame qui me suce en même temps? Comment? Ah, ah bon, d'accord. Il a accepté. Oh, bon, d'accord! On peut pas... On pose pas les questions dont on veut pas les réponses. Ouais, je suis d'accord avec ça, madame. Je comprends ce qui se passe. Et surtout, ça ne faisait vraiment pas partie du deal. Un peu. Ouais, ben non, ouais, pas mal, pas mal. Le deal, c'était on a du fun, là, ouais. Là. Bref. Le peu de possibilité... Excuse. OK. Bref, le peu de possibilités pour moi de bander venait de partir en fumée. Je crois que ma queue a décidé de nous montrer ses talents d'actrice et nous présenter sa personnification d'une tortue apeurée. Là, ça, c'est bon. Le gars, il écrit très, très bien, là. En plus de ne... En plus de ne vraiment pas aimer sentir une barbe qui pique entre mes cuisses... Il apprécie pas ça. J'étais complètement figé et ne savais pas comment me sortir de cette situation malaisante.
Personne sait ici, là. Mais comment ça sort? On sait pas comment s'en sortir, tout le monde ici. Moi-même, je sais pas comment m'en sortir. On sait plus quoi faire. Les deux se lèvent finalement. Ils vont discuter dans le cadrage de porte pendant que je masturbe ma petite bite molle de façon triste. Oh. Il est vraiment trop tard. La chef qui regarde l'heure, là. Il décide de rappeler le gars pour plus de poudre. Question de détendre l'atmosphère. Rien qui détend plus que plus de poudre. Ouais, c'est ça. Ce produit aux facultés relaxantes très reconnu. On prend une bière, de la poudre arrive, deux, trois lignes plus tard et on recommence. Ben voyons! Ça va sûrement mieux se passer, hein? Ça peut pas... Pour ma part, le mal est fait. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas essayé. J'ai l'entrejambe tellement engourdie. Je me dis que je vais me rattraper autrement. Je fais donc un cunnilingus à la madame, trois petits points, longtemps. Je lis dans son visage que, clairement, la pauvre s'emmerde et s'attendait à se faire prendre par deux hommes. Je décide finalement de quitter la tête basse, les yeux au sol et penaud. Oh my God! Comme Charlie Brown. Je sais pas s'ils ont changé la musique, hein? Ils ont... Marcher la tête basse au petit techno, c'est hot en crise, pareil, hein? Tout nu! Bref, ce soir-là, j'ai eu très mal à mon orgueil. Je n'avais jamais eu de difficultés érectiles auparavant et j'en ai eu mal à mon nez. La poudre était vraiment de très mauvaise qualité. C'est que c'est des shamés, comment tu crois? Ils n'ont pas de la bonne poudre. Ah ouais, c'est ça. Ils n'ont pas de la bonne poudre. Si seulement l'histoire s'arrêtait là. Ah bon. Le gars a continué à me jaser sur Skype. Il me réinvite pour une autre soirée, mais plus relax cette fois, sans pression. J'accepte avec beaucoup de naïveté. Je crois vraiment aux deuxièmes chances et je veux rectifier le tir. Mais aux deuxièmes chances? Tu vois, tu te fais une deuxième chance à quelqu'un que t'aimes ou je sais pas, là, c'est comme... Je pense que la fille était très belle. Ah! Oh. Ouais. Parce que c'est vrai, il a dit qu'elle était genre mannequin. Je pense que la fille, c'était quelque chose, là. Ah oh, oui, OK. J'arrive... Si on le voit, il n'y a pas un horaire chargé. Le temps de, on le refait, on le refait. Ouais. C'est ça ou aller au fouf attendre que le temps passe. J'arrive et le gars me reçoit chez lui. Je remarque qu'il est seul. Non! Je remarque qu'il est seul. C'est aussi prévisible que les Looney Tunes. Eh oui. Foin, ah, bon, d'accord. Où est la charmante demoiselle? Elle n'est pas arrivée et est en route, semble-t-il. Prenons une bière et regardons de la porn en attendant. Tu fais ça avec des chums, non? C'est quoi cette petite bière? Rendu là. Rendu là, d'accord. Mais moi, je me casse. Moi, quand Steph est pas là, je fais... Ah, Steph est pas là. T'invites un ami. Eh oui, on écoute la porn et la bière. Une bière, une ligne, deux bières, un joint plus tard, nous sommes toujours seuls. C'est alors qu'il me demande si je veux qu'il me suce en attendant. Merci pour l'attention, mais j'ai poliment refusé. Come on, juste une petite lichette. Chaque phrase est incroyable. C'est un super écrivain, j'adore ce gars. Elle m'a dit que ça l'exciterait si on commençait sans elle. Sûr que non. Ouais, moi, ce qui m'excite, c'est ce que tu fais quand je suis pas là. Quoi? Ce fut long, malaisant, et la fille ne s'est jamais pointée. Ah, ça, c'est
bon, man! Cet homme continua à m'offrir des pipes jusqu'à ce que je décide de quitter, prétextant qu'il est tard et je travaillais le lendemain matin. Je rentre chez le concessionnaire demain matin. Déception qui était à prévoir. Il a continué à communiquer avec moi, m'a réinvité souvent pour finir par littéralement m'offrir de l'argent pour pouvoir me sucer. Oh, shit! Bref, j'ai passé à côté d'une belle carrière d'escorte mâle. C'est une belle fin. Ouais. C'est ça, date? Vas-tu faire des cauchemars? Okay, là, la prochaine date, on va... J'ai mis des adjectifs au-dessus de chaque date. Ben oui, c'est vraiment... Et c'est le public qui va choisir c'est quoi l'adjectif que vous voulez. Oh, OK. Fait qu'on... Est-ce que vous voulez drôle? Tabarnak, OK. OK, vous voulez drôle? Mais dis-le avant, ils peuvent pas savoir ce qui s'en vient. Ah, rien! Voici les choix! T'as raison! Non, mais il a raison! Voici les choix de réponse. Ça, c'est une très belle note. Il y a drôle, yeah. Étrange, weird, cochon. Étrange! All right. Ça s'intitule Han Solo. Quoi? Comment tu te sens? Comment je me sens? C'est... La résilience de tous les gens qu'on vient de lire... Absolument sensationnel. Ah, c'est des modèles. On a beaucoup à retenir d'eux. Oui. Beaucoup. Oui, ils se lèvent le matin, ce monde-là. Ils vont au bout. Ils vont au bout. Ouais. Ah oui, ça, okay? C'est sûr. Lui, notre dernier, là, regarde, moi, je vais le vivre. Il est retourné, man. Oh. Il est retourné. Juste une petite lichette, hein. OK, Han Solo. Han Solo, mon amour. Je peux juste m'imaginer avec quelqu'un que je connais pas dans son appart puis je file pas. Même... le monde, ils sont capables de faire des affaires. Quoi. Ça me fascine. OK. Je mettrai ma main sur la Bible pour jurer que ce que tu vas lire est vrai. Mais le petit Jésus serait pas bien ben content de mon histoire, je pense. Ouais, est étrange histoire, là. Ma première date avec celui qu'on appellera Han Solo. En fait... Han, comment tu dis ça? J'ai fait le H aspiré. C'est pas un Turc, là. T'es pas obligé. C'est Harrison Ford qui l'a interprété. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Le petit Han. Oui, hein? C'est que c'est pas obligé. C'est là que t'aimes pas Star Wars, mais que t'aimes... Okay. Le fait de en fait, ma première date à vie. Ouvre les guillemets. Allô, allô, j'ai swipé sans voir que tu étais à 122 km. Un peu dommage, mais t'écoutes de la maudite bonne musique. En tout cas, fin des guillemets. Chris, le premier profil sur lequel j'ai vraiment accroché, puis aussi bien dire qu'il est dans une autre galaxie. Je réponds pareil, YOLO, encore une fois, mot-clé du jour. La distance. On se jase, ça clique instantanément. Il me dit, on se reparle. Honnêtement, j'y aurais pas réécrit, j'aille ça faire de la route. Même si t'as les plus beaux yeux du monde, ça me donnera pas envie de faire un tour de machine. Ouais, c'est une vieille femme. Oui, c'est ça, hein? OK. Le lendemain, je reçois un, ouvre les guillemets, « Random pop quiz de l'heure du dîner, ; ton film préféré. » Fin des guillemets. On a jasé à tous les jours, des fois une bonne journée, des fois des « regarde ce vidéo-là », des fois des « ça va pas », des fois j'aurais bloqué des... ça, là. « Regarde la photo de mon chat, c'est tu m'envoies des beau. On se connaît pas, tu m'envoies la des résilience, mon gars, je t'ai dit, c'est... Les vidéos. Je suis renversé. Ouais. Des fois... Mais là, on se connaît pas. Hey, voici une vidéo. T'es-tu fou? T'es-tu malade? C'est quoi ton film préféré? Quoi? Des fois,
des confidences qu'on n'avait jamais fait à personne, des fois pendant 2, 4, 7 heures. Jusqu'à temps que j'aille les yeux qui brûlent puis que je me force à fermer mon cell parce qu'il est 2 heures du matin puis je me lève à 7 heures. J'étudie YOLO. Ça se fait tout seul, on vit les mêmes choses au même moment, on s'est saisi. Fait qu'après un mois, on décide de se voir. Qu'est-ce que tu veux, un grown man qui a une pièce de son appart réservée à ses figurines de Star Wars? Je sais, la même... Ouais. Qui me plug une citation de Star Trek dans notre première conversation, qui capote ses chats, ça me charme. Je sais, j'ai dit, étrange. En plus d'avoir les plus beaux yeux du monde, ça vaut un tour de machine. Je dois avoir arrêté 3 fois sur la route pour faire un petit pipi nerveux. Est-ce qu'il va vraiment avoir toutes les figurines de l'épisode 1? Oh mon Dieu! Est-ce que tu penses qu'il y a le Jar Jar Binks carton géant? OK. Je dois avoir arrêté 3 fois sur la route. Non, non. Oh my God, c'est là que ça se passe. Dear Lord, ses yeux. Sa petite wave parfaite dans ses cheveux. J'ai de la misère à me concentrer quand il me parle. Puis il parle, Colin qui parle. Mais je suis une femme de peu de mots, fait que c'est ben correct. J'ai quand même envie de lui dire, fais-toi donc... Qu'est-ce que c'est? Fais-toi donc aller les babines sur moi à la place. C'est la chose la moins sexy que j'ai entendue de ma vie. « Fais-toi aller les babines sumouées à place. » Ouais. Tu coches un peu. Ouais, quand même, hein? Est-ce que c'est mieux cette phrase-là ou juste une petite lichette? Non, la meilleure phrase, c'est la fin d'un boss de joint. C'est la meilleure phrase. OK, j'ai dû le dire à voix haute sans m'en rendre compte parce que ben vite, on est le lendemain matin et encore ensemble à jaser en bobette. On décide d'aller prendre une douche. Je comprends rien. La phrase suivante est... Attention. Si Nelly avait été là, il aurait chanté « It's getting hot in here ». Elle est drôle aussi, là. Elle est spéciale. Mm-hmm. OK. Pas juste nous, la douche était chaude que le Chris aussi. Je commence à sentir Han Solo quitter le vaisseau. Ah oh oui. Ça veut dire qu'il se met à bander? Non, vous allez voir. OK. Ouais. Vous allez voir. OK, ça va? Oui, oui, je suis... Je comprends pas, mon nom. Oui, oui, je suis comme juste un peu étourdie. Ça me fait ça des fois. OK, il a carrément été éjecté puis j'ai plus de signal. Le sabre d'Han Solo s'est éteint assez vite, merci. Ah, je comprends rien. Je sais, c'est que le monde, des fois, ils font des métaphores, c'est pas nécessaire. C'est quoi, vous allez comprendre. OK, j'arrête la douche, ouais. Sors, me retourne, il est blanc, il a les lèvres bleues. What the heck is going on? Ça va, et il s'effondre dans le coin de la douche. Les yeux sont ouverts, il shake de gauche à droite. Je gueule après tellement fort qu'on dirait que j'ai un porte-voix. Il m'entend pas, Chris. Il revient à lui, se lève. Hein, j'étais assis, je suis tombée. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? Et il refait le poisson mort. Je crois sérieusement assister à un décès. Je t'ai vu, là! Mais qu'est-ce que t'as compris, toi, dans l'affaire du sabre? Il a perdu connaissance. Connaissance, un sabre laser qui ferme, fait qu'il perd connaissance. Il est allé dans l'espace. Oui! Ah, il est allé dans l'espace? Oui. Avais-tu compris ça, toi? Moi, ça fait à peu près 1h30, je comprends plus. OK. Il refait le poisson mort. Je crois sérieusement que c'était un décès. Je me dis, Chris, le gars doit avoir une condition que je connais pas. Je le regarde faire le cadavre dans le bain. Je suis prête à appeler les urgences. Han Solo est en train de crever sous mes yeux. Puis moi, je suis juste un Ewok tout nu. C'est tellement wack que c'est bon. Il revient à lui, se lève comme si de rien n'était. Hein, c'est quoi qui s'est passé? You tell me, esti. Ses couleurs reviennent. Ça va, je suis restée avec quelques heures. On a ri en s'il vous plaît, en caplox. Je t'avouerais que je guettais... Ah, oh, my God. Mais je t'avouerais que je guettais qu'il me refasse pas le bacon parce que j'ai plus envie de bruncher pantoute. Fait que c'était ça, ma première date à vie, c'était... Parfait. Il est mort aujourd'hui. Il est mort. Il est mort. Tu vas à l'hôpital, qu'est-ce que tu fais?
le style. On a ri en s'il vous plaît. Hey, tu sais, quand t'as fait deux caillots au cerveau tantôt, c'était-tu mourant, hein? C'était-tu drôle? On dirait que tu t'es fait. C'était-tu drôle quand ton cœur a arrêté pendant 15 secondes? Ok, je. Hein? Sens-toi vraiment à l'aise de dire non. Veux-tu monter lire une date? À qui tu parles? Oui, parfait. Tu comprends, tout va bien. Okay. Prochaine date, mon amour? J'en dis, on dirait que je t'ai jugé comme si tu parlais à un ami imaginaire. Parce que je connectais quelqu'un puis je me rendais qu'elle voulait monter. Tout va bien. Qu'est-ce que tu parles? Il est pas là, monsieur Maurice. Ça fait plein de fois que je te le dis. Okay. Veux-tu lire une autre date puis tu trouves ça épouvantable? Avec grand plaisir. OK. Weird. Asti, tu me connais. OK. Date gênante. Salut Steph, Thomas et l'autre personne présente. Mm. Un fan. Sans intro, je saute dans le vif de l'histoire. Merveilleux. C'était l'été. J'avais 36 ans pour seul moyen de transport un scooter et un besoin de sexe criant. En ordre. J'ai plus un les moyens de se rendre. Oui, les moyens de se rendre. Il se vend bien, mon amour. Sur Tinder, c'était ça. J'ai 36 ans, un scooter et un besoin de sexe criant. C'est marqué, bref, une recette perdante. Oh. Tu sais, quand ils disent qu'il faut pas que tu fasses l'épicerie quand t'as faim, il faut pas que t'ailles de scooter quand t'es horny. Oh. Achète pas un scooter bandé. Une recette perdante. J'embarque sur Badoo. C'est un Tinder, ça. Tinder. Et je me mets à swiper. Oui, le monde de plus de 35 ans sont encore sur Badoo, le paradis de la MILF. Oh, shit! C'est qui aime. Tout d'un coup, un message, sans même que j'ai eu à entamer la discussion. Verbatim de la conversation. As-tu un char? Moi, non, un scooter. Réponds oui, esti, voyons! On s'en calisse du détail. Elle veut juste savoir si t'es tapié, Chris d'innocent. Techniquement, non. As-tu un char? Non, un scooter. Elle, veux-tu me baiser solide? Moi, certain. Wow. Oui, parce que quand t'es en scooter, il aime vraiment son scooter. Je pense qu'il veut le vendre. Ce matin, elle vend son scooter. Moi, écrire au beau podcast, s'il y a peut-être quelqu'un qui va le prendre. Je peux faire l'amour, bien sûr, deux roues. Hein. OK. Oui, parce que quand t'es en scooter à 35 ans et qu'une fille te veut, t'acceptes. Ça me fait penser. J'ai une amie de mon âge, mi-trentaine aussi. Il y a un gars, Manny, est arrivé à une date en mobylette électrique. Puis elle a dit, ça sera pas possible. Puis avoue que t'en respectes, ouais. Ouais. Je peux comprendre. Ouais. OK. Mais t'imagines, t'es assis au... Il y en a un qui puis il l'attache avec une petite chaîne après un poteau. Ouais. Une main. Tu sais qu'il l'enlève pas. Hey, moi, ça, là. Ben non. Je pense pas. Quand j'étais jeune, OK? On fait une parenthèse de oui, de parce qu'on va y revenir. Quand j'étais jeune, OK, il y a un de mes amis qui, lui, avait un ami qui, écoute, je pense que c'est mon premier souvenir à vie, là. Il enlevait jamais son casque de vélo. Okay? Il enlevait jamais. Genre, on joue au soccer dans le parc et il gardait toujours son casque de vélo. Il y avait Voldemort en arrière du crâne. Je sais pas si c'est ses parents. Non, mais je sais pas si c'est ses parents qui ont dit enlève. Mais il enlevait jamais son. Et depuis ce jour-là, là. Ouais. Si je vois quelqu'un à l'épicerie avec un casque de vélo, là, faut que je parte. Je sais pas pourquoi ça. tu lâches ton panier, ça va. Mais écoutez, Marc Maron dans le char. Ouais. Alors, donc,
Oui, parce que quand t'es en scooter à 35 ans et qu'une fille te veut, t'accepte. Surtout que j'habite à la campagne, donc je n'ai pas l'excuse d'être en scooter pour il être écolo. Il fait du scooter dans les routes de Gravel, mais... Être en scooter pour être écolo ou être cool comme Christian Bégin. Cool comme Christian Bégin. Ouais, tout ça, cool. Quand je pense à cool, je pense à Christian Bégin. Le fait qu'elle habite une petite ville à une heure de route en scooter. Hey, man. J'espère. J'aurais dû écrire scooter. J'aurais dû. C'est scooter que c'est weird. Scooter. C'est vrai. Le vrai mot, c'est scooter. Le fait qu'elle habite à une petite. Qu'elle habite une petite ville à une heure de route en scooter de chez moi n'allait sûrement pas calmer mes ardeurs. Tu veux fourrer, tu vas rouler. Je pars donc pour ce petit périple tard le soir. Lorsque j'arrive chez elle, elle semble surprise en ouvrant la porte. Elle me dit que comme j'ai dit que j'avais un scooter, elle avait peur qu'un jeune de 16 ans se pointe chez elle. C'est ce que je comprends. Elle n'est pas particulièrement jolie, mais bon. Moi non plus. Mais bon! Mais bon, moi non plus! Moi non plus, alors tout va bien. On est dans bas de ligue, toi puis moi, ça marche. Elle boit de la bière en discutant. Elle m'apprend qu'elle boit régulièrement et qu'elle a perdu son permis de conduire à cause d'une balloune. Je ne bois pas du tout, mais mon envie de faire du sexe me fait tolérer le fait qu'elle sert les canettes de bas d'une après l'autre. Résilience. Tu sais, quand je te parle de... Assez de niaisage, on passe à la chambre. Première constatation, son chien doit dormir avec elle parce que ses couvertures sont pleines de poils. Bah, c'est dégueulasse! Ben, coudon, qu'est-ce que tu veux faire? Je pense que c'est une des phrases qui revient le plus dans toutes les lettres, hein? C'est le bon, ben, rendu là! C'est pas comme si je peux m'en aller, tu sais. Bon, ben, coudon, qu'est-ce que tu veux faire? Pendant qu'elle s'affaire à me donner du plaisir, je remarque un pot avec une photo de chien sur une tablette. C'est une urne. Cette fille aime vraiment les chiens. Ben, coudon, revenons à nos totons. Oh, elle est quand même bonne, celle-là. Je l'aime, ce gars-là, man. Au fur et à mesure que nous progressons, je me rends bien compte que quelque chose cloche. Elle jouit sans cesse et hurle à un point que j'ai peur que des voisins s'inquiètent. Et c'est une maison, pas un appartement. Voyant mon étonnement, elle m'avoue qu'elle a la particularité de pouvoir jouer à répétition tant et aussi longtemps que quelqu'un la stimule, genre aux 2 minutes. Qu'elle se considère nymphomane et qu'elle ne peut pas passer plus de 2 semaines sans sexe, sinon elle ramasse le premier qui passe. En scooter. C'est un premier qui passe à... Bon ben coudon. Ah, et voilà, on continue. Qu'est-ce qu'il y a des flags partout, esti. Bon ben coudon, il semble que ça soit moi ce soir. Ouh. Pour les fois où je peux me sentir comme une machine capable de donner des orgasmes multiples, je ne vais pas me plaindre de ça. Okay. Vu de même. Mais oui. L'affaire, c'est que quelques facteurs s'additionnent pour m'empêcher de venir rapidement. Le fait qu'elle s'enfantonne, qu'elle n'est pas très jolie, qu'elle hurle d'une manière déconcertante. Oui, ça en devient plus le fun tellement c'est extrême. Mais surtout le fait qu'alors que je la prends par derrière, elle me lâche une très longue... Oui. Yes! Oui. Mais surtout le... Oui. Surtout le fait qu'alors que je la prends par derrière, elle me lâche une très longue et très sonore flatulence de fille qui boit trop de bière. Combien tu gages que dans 3 phrases, il dit « ben coudon »? Hey, ça arrive à tout le monde, hein? Bon. Ben coudon. Tu pètes. Ah, alors, bon. Je me tourne la tête de tous les côtés pour tenter d'éviter l'odeur. Ça,
Ça se propage, tu sais. Ça doit être le fait que ça fait au moins 2 ans que je n'ai pas eu de sexe qui fait que malheureusement, je finis par jouir. J'aimerais juste mentionner que... T'avais raison! Puis lui, il bande encore, contrairement à l'autre, avec la belle-fille. Puis lui, tout va bien. Ah oui. Ça fait 3 heures qu'on baise. L'orgasme passé, je sens ce sentiment m'envahir. Ce sentiment de désespoir, de regret. Fois, elle me lâche un autre pet géant. En même temps où je me retire. Quand tout se détend en même temps, hein? Ça arrive au même temps. Moi, je vais la backer, cette fille. Moi, j'aime que... Après, vous qu'ils partent en scooter. Après tout ça, moi qui fais ça. Comme Christian Bégin. Cool comme Christian. Oh, donc, quoi, elle me lâche un autre pet géant en même temps où je me retire. Ça vibre sur ma queue, ça sent dans mon nez. Ça vibre sur ma queue! Ça vibre sur ma queue! Ah, ça, c'est bon, là! Ça vibre sur ma queue! Une onde sonore? Elle me dit qu'elle ne veut vraiment pas que je reste... Oh, ben, je suis saintante! Chien, est-ce que c'était juste une baise? Non, calme, j'en peux plus! Que c'était juste une baise. Ah, ben, là-dessus, on s'entend. Le bout le plus long, c'est là pour revenir chez moi, repenser à tout ça! Mais bon, coudon, j'ai baisé! J'aime trop une dernière date. C'est... Une dernière pour la route. Parce que t'es trop incroyable. Il est tellement tanné. C'est parce que un boxeur en 2 rounds. Il est comme, hey, je veux pas y retourner, man. Ça fait mal. Okay. Les phrases. Ça s'intitule date de marde. Tu sais ce que c'est? Yes! Non, on vient d'en vivre une. Ça, c'est la drôle. C'est la drôle en passant. Celle qui est enfin, est-ce? Donc. Tout ça commence avec une date Tinder. Le plan, c'est de se rencontrer en allant prendre une marche, de quoi de bien simple. Un des premiers trucs qu'elle me dit, c'est « Te déranges-tu si je fume? » Non, non, c'est OK. « Off you, parce que je fume un paquet par jour. » OK. Faut comprendre qu'on doit avoir 18 ans ben pile à ce moment-là. Fait qu'elle a déjà... OK, super. Elle aussi est morte aujourd'hui. On marche. Elle fumait un paquet par jour à 18 ans. Ça, quand... Sacrifice. Pis genre des Peter Jackson. Ouais, parce que c'est pas un moyen, ben oui. C'est pas des Benson & Hedges. Non, ouais. C'est pas des Benson. On marche un peu, elle me dit « Fait chaud en crise. » En disant ça... Oh non! On marche un peu, elle me dit « Fait chaud en crisse ». En disant ça, elle se passe le doigt en dessous d'un toton pour me montrer la belle sueur coulante qui s'accumule là. Ça commence. Bon, tout ça est déjà étrange, mais okay, c'est un peu... Mais non! C'est toujours ça! Qu'est-ce que tu veux... Et moi, mon début, c'est en retard, je pense pas. Bon. Bon, tout ça est déjà étrange, mais tu sais, à 18 ans, avec les hormones dans le plancher, j'étais prêt à faire abstraction. Ils ont jamais des bonnes excuses. Ils sont jamais convaincants. Tu peux vraiment coucher avec quelqu'un d'autre, tu sais. Oui, tu peux. C'est une petite note, là, que je donne aux gens. C'est une bonne note, ma chérie. Ouais. Une petite note de metteur en scène, là, juste comme... Il y a bien des gens disponibles. End scene. On décide d'aller se baigner chez nous. On se baigne, on rigole, tout va bien. Il aurait pu juste l'inviter tout de suite se baigner, non? Ah oui. Elle me propose d'aller prendre un verre en ville. Après la baignade. Oui.
Non, la bagnarde, c'est un rap. Ah oui, c'est fini, là, c'est fun. C'est ça que c'était, là. Ah non, oui, là, c'est non, c'est... Il faut se remettre beau. Piscine dodo. Attends, vous savez ce qui s'est passé? Il jase, elle fume, ouais. Elle se passe le doigt en dessous du toton. Ouais. Faire chaud, on va aller se baigner. Ouais. C'est génial. Oui, mais après ça, le sort de la piscine, puis là, il faut que tu te regrettes pour aller en ville. Parce qu'elle fumait la piscine. C'est sûr. C'est le bord. C'est sûr, ben oui, c'est sûr. Ben oui. Là, tu sens le chlore au Saint-Sulpice. À côté de même, pour être sûr que l'eau passe bien en dessous des totons. Ah oui. Continue, mon beau garçon. Elle me propose d'aller prendre un verre en ville. Je me dis pourquoi pas. En s'en allant à Montréal, dans mon char, elle décide de changer de T-shirt. Elle me dit de pas regarder, mais bon... moi, bon gars, je regarde pas, mais du coin de l'œil, je spot un char qui se colle du côté passager. Ouais. Ben plein de gars qui capotent de voir les filles... La fille, les boules à l'air. C'est une bonne date! Je lui demande, ça te gosse pas? Non, non, t'inquiète, la moitié de Montréal-Nord m'a déjà vu à poil. Extraordinaire, Montréal-Nord. Y'a de quoi? Génial. OK. La moitié, l'autre moitié, c'est des filles. C'est quoi? Juste les gars? Qu'est-ce qu'ils ont? On se rend au bar. Qu'elle me suggère. On s'assoit. On se prend chacun une bière. Même pas le temps de commencer à jaser. Elle reconnaît des amis et se pousse les voir. Reviens me voir 2 secondes, 5-10 minutes après... être parti pour me dire que la marde est en train de pogner parce que son ex est là. Oh. Juste avant d'y retourner... OK, de me dire que son ex est là, virgule, juste avant d'y retourner. Fait que moi, ben homme, ben fier, bien fier, je suis allé l'attendre à la sortie parce que je me contre-colissais de ses conneries. En l'attendant, je réalise que j'ai oublié mon sel dans le char. Elle finit par me rejoindre. Je lui dis qu'on s'en va, je retrouve pas le char avec mon sens de l'orientation de marde. Ça a pris 30 minutes pour trouver le char. Elle me braille tout ça tout le long en me parlant de son ex tout croche. Bref, on arrive au char. Je me rends compte que mon sel n'était pas dedans le char. Je lui demande si elle l'a vu. Elle me dit « Ah oui? » »« Et en dessous de mon tonton! » Ah oui, c'est moi qui l'a, il est dans ma sacoche, je l'avais pris pour pas que tu te pousses sans moi. Mais bon, ayant 18 ans et étant bien bandé, ouais, c'est ça. Ah, c'est quand même étrange comme modèle de business. Fait que finalement, je suis allé la porter chez elle en essayant le mieux que je pouvais de lui expliquer que certains trucs de base comme quand un dude qui sort avec toi depuis une semaine et demie te demande de l'argent pour de la drogue, c'est peut-être un signe pour que tu décalisses, pour que tu calisses ton camp. Ah? Lui, il donne des leçons. Il donne des leçons de cacher son camp avec la fille qui fume les cigarettes, qui passe le doigt en dessous, ouais. Qui monte ses boules en char. Ouais. Puis lui, il dit, viens m'amener quand il y a des red flags, faut partir. C'est super. C'est super, monsieur. C'est ça, dis-je, après avoir enduré cette date de A à Z. Oh. Oh. Il s'est envoyé de son iPhone. Il l'a retrouvé. Tant mieux pour lui. Es-tu bouleversé, Simon? Oh. C'est un des plus beaux jours de ma vie. C'est fantastique. OK, j'ai peut-être... T'en veux une dernière? En voulez-vous une dernière? OK. Voulez-vous une date écrite par Salope Lamope? Attends, je vais y aller. Non, lui, c'est plus drôle. C'est plus drôle. T'es en train de mourir de chaleur. J'essaie de le sauver. C'est plus drôle que c'est lui parce qu'il est pas capable. Il est allé à chaque fois. Oh, vrai! OK. En passant ça, il y a pas de punch. C'est juste weird. OK. Aussi, s'il vous plaît, achetez des billets de Simon Gouache. Achetez des billets de Simon Gouache. Première partie, Salope la mop. Alors, ça, c'est la cochonne, cochon. Oui. Retour de tour, les yeux fermés, la porte ouverte. Okay. C'est le titre.
Oui, c'est spécial comme date. Oui, hein? Au début, je voulais pas lire, mais pourquoi pas? Bonjour. Il était long le temps à passer avec moi-même à endurer ma solitude. C'est « Il est venu le temps des cathédrales ». Attends, relis ça, s'il te plaît. Tu peux-tu me relire ça, je t'en prie? « Il était le temps passé à entretenir ma solitude. » Ça marche, qu'est-ce que je veux? « Il était long le temps passé avec moi-même à endurer ma solitude. D'un jour à l'autre, mes applications à swiping se débloquent un moton de militaire fraîchement revenu d'Afghanistan. » Ouais. « Match, match, match. » Le choix se fait juteux et enfin le bassin de prospect fuckboy se remplit. C'est étrange, là. C'est étrange. D'après moi, il est un fin de boss de pote. Ne me sentant pas d'attache, je propose... Je pense que vous l'avez dit d'attaque, là. C'est une femme qui décrit ses salopes, là. Ah, OK. C'est salope, excusez. OK. Désolé, salope. Ne me sentant pas d'attache, je propose à l'un d'eux qui clame être fatigué du vol de passer le voir. Mais hey, où pour savoir que l'avion militaire vient de débarquer? Québec, sûrement. Près de le quartier. Oh. Okay. Devant son hésitation, je lui dis qu'il n'aura qu'à laisser la porte débarrée et j'irai le rejoindre dans sa chambre, que sans le fatiguer, il pourra profiter de ce que sa queue de soldat mérite en garde à vous et repos. Elle a là comme un champ lexical d'armée pour quand elle flirte avec les militaires. Elle aime ça, je pense. Oui. Ouais. Bon, il accepte. Les refus me rendent insatiable. Oh. Alors, je me prépare en grande. Même si ça ne prendra pas grand-chose après un 3 mois d'abstinence. Pas de plug pour empêcher qu'un accident entre là. On n'est jamais trop prudent. Juste pour être sûr qu'ils mettent pas son doigt dans mon cul, je vais me rentrer un bas de plug. Pas de plug pour empêcher qu'un accident rentre là. Une sacoche bien pleine de capotes, une bouteille de lubrifiant, un corset qui fit avec la culotte et une robe de chambre. Okay. Il n'y aura pas de préliminaire, alors on s'en crisse du reste du outfit. Et hop, je pars. Arrivé chez lui, je vérifie l'adresse en main. Je prends l'assurance d'une prostituée. C'est la fameuse expression « confiante comme une pute ». Je prends l'assurance d'une prostituée et je me dirige vers mon trip d'avidité sexuelle. Et sans faire un son, je monte à l'étage dans la pénombre. Au milieu des escaliers, je l'entends me demander si c'est bien moi. Alors, sans le mot, je suis sa voix pour trouver sa chambre et imposer ma silhouette dans son cadre de porte ouverte. Il tente encore de communiquer en me complimentant. Mais encore silencieusement, j'approche et caresse ses couvertures en les retirant. Je débute mes attouchements. C'est vraiment weird. Mais je tiens à ce qu'il n'entende pas ma voix. Même quand il tente de se lever pour dominer une partie de la relation, je lui refuse en l'invitant à s'étendre de nouveau et je l'enfourche. Mais sans dire un mot? Oui. Ça a l'air. Difficile. Difficile de retenir les sons, mais je continue dans le même ordre d'idées. Je n'éprouve aucun plaisir sexuel à ce moment, mais un sentiment de puissance assez intense. Devenant dur avec lui, on dirait que je veux lui faire souffrir sa jouissance. Je m'acharnais sur sa queue. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai dit « Je m'acharnais sur sa queue ». Pardon? Qu'est-ce qu'elle fait avec la quoi? Je m'acharnais sur sa queue. «
comme si son orgasme était attendu impatiemment. Il ne semblait pas particulièrement excité. No shit. En silence, ça se dit quelque chose, tabarnak, ça fait une demi-heure, t'es là. Je te connais pas. Je pas à la bibliothèque, là, qu'est-ce qui se passe? Arrête de parler, je me chasse. C'est un autre qui peut faire. Hey, là, ça va faire, là, t'allumes les lumières, puis là, là, c'est gênant. Ah oui, là, c'est là. Donné, là. Il ne semblait pas particulièrement excité, mais mon insistance est arrivée à bout de son éjaculation. Déçu, comme toujours dans cette période de ma vie, j'ai replacé ma culotte, repris ma robe de nuit et je suis reparti. Tim Horton au volant, vanille française en commande. J'attendais celle-ci en swipant ma prochaine victime de ma vie blasante. Salope la mop. Voilà. Voilà. C'est ça. Wow. Mais salope la mop, on dirait... C'est comme si elle était fâchée, mais c'est un peu... Mais elle est en contrôle. Ouais. Je suis perplexe. Moi, je pense à une autre personne qui veut nous exciter en écrivant une date. Ah. On est rendu là, du monde qui veut nous exciter. Ah! Ouais, ouais c'est ça, hein? As-tu marché? Non, hein? Complètement. Oui. Complètement. J'ai toujours... J'ai l'engin bien... Attends, non? Non, mais je comprends ce qu'elle a essayé de faire. Je comprends le principe de... Je rentre, on se parle pas, on fait ce qu'on a à faire, puis je m'en vais. Ouais. Mais une fois que tu vois que l'autre aime pas ça, dis quelque chose. Bien dit. Oui. Tu sais? Ouais. Oui, oui, entièrement. Ça existe une fausse bonne idée, c'est pas grave, on en a toutes. Pas grave. Elle est en rodage. Oui. C'est ça. Tu veux-tu faire la petite yeah, là? C'est pour ça que tu me l'as. Dernière. Yeah! Et on s'en fait, mais on est fatigué. On le fait ou on le fait pas? Je vais la faire super vite. Check bien ça. Perfect rebound. Coucou Steph, demain il est invité. Voici ma date digne d'un long week-end avec un parfait rebound. Ah oui, tu rap, j'aime ça. Ah, OK. Rap la date, mon amour. C'est parti. En 2018, je tombe nouvellement célibataire après une relation d'environ 6 ans. Super toxique. Dans la mi-vingtaine, voulant connaître de nouvelles expériences, j'ai découvert... Et découvrir de nouveaux fantasmes, je me suis inscrite sur beaucoup de dating apps, dont Tantan, Tinder version asiatique. Je n'aimais aucune limite de distance et match à l'international avec certains hommes. Un en particulier, vraiment NYC, étudiant à Columbia, nouvellement arrivé. Son anglais est très cassant, ce qui lui donne un petit charme. Ça clique. On commence par vidéo chat et on dirty talk a lot. Quelques mois passent. Et je décide donc d'aller le rejoindre à New York City pour un petit voyage, changer de paysage et bien sûr le rencontrer. J'avais besoin d'amour et d'attention, mais non d'une relation sérieuse. Donc c'était mon parfait rebound, vivant à des milliers de kilomètres, un week-end, that's it, that's all, pas le temps de niaiser. De plus, il réalisait un de mes fantasmes, soit de coucher avec un homme vierge. Arrivant à NYC, il vient me chercher. C'est rare les femmes qui couchent des hommes vierges. Tu parles ça? Et nous partons vers son chez-lui. Il vivait en résidence universitaire, genre un gros 6,5 à côté de Central Park, dans un magnifique quartier de NYC. Et là... Ça, c'est réussi, mon amour. Ça, c'est réussi. Sérieux, hein? Ouais. Et là, j'ai pas le temps de déposer mes affaires qu'on commence les préliminaires. Super chaud. Grosse parenthèse, c'est là que je me suis dit, un gars qui n'a jamais mis son pénis dans un vagin, mais qui est super expérimenté au niveau des préliminaires, ça compte-tu vraiment comme un pisseau? Let me know. Wow! On se croirait dans 8 Mile. Bref, je suis toute excitée. Je n'avais pas eu de bon sexe depuis vraiment longtemps et il me traite comme une reine. Vient le temps du condom et il m'explique qu'il a dû commander des condoms spéciaux sur Amazon. Je comprends pas pourquoi. Sur Amazon? Et c'est quand il baisse son slip pour mettre le préservatif que j'ai compris qu'il avait un micro-pénis. Mon ex étant un magnum XL, je me suis dit, oh boy, sors ton jeu d'actrice, ma grande, parce que ça va être difficile tout ça. Mais, à ma plus grande surprise, c'était bon, ha 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 ha. Genre même vraiment bon. Ce qui m'a fait douter, maintenant que le gars était vraiment pas vierge, by the way.
Le reste du voyage a été de visiter des coins de l'université, faire des cochonneries à l'université. Il m'a sorti à Brooklyn et a payé pour tout. Alcool, chambre d'hôtel, restaurant sorti et même un petit souvenir. Un tout de frigidaire. Porte-clés de l'Empire State. My God, man. Nous avons beaucoup bu, eu du sexe super intense cochon, jusqu'à la veille de mon départ où, sous l'effet de l'alcool, il m'annonce qu'il m'aime en pleurant. Je vous le dis que le malaise. C'est rare de trouver une fille qui tripe ses micro-pénis, là. Et tu t'attaches. Mais c'est vrai? C'est sûr. Le lendemain, quand il est venu me porter à la gare, on s'est dit au revoir. Je l'ai ghosté par la suite, on ne s'est plus parlé. J'en garde un très bon souvenir avec des anecdotes comiques. Il a mis la barre très haute pour les dates par la suite, car elles ont été, sans exception, une catastrophe. Woo! Mic drop. Mic drop. Merci de m'encourager dans ma carrière. Simon, on va maintenant te laisser rejoindre ta femme. Oui. Et... Oh, tout le monde dort, Jean. Depuis longtemps. Mais t'es en tournée en ce moment. Tu finis une belle soirée. Je finis mon deuxième one-man show qui s'appelle Une belle soirée, puis j'ai commencé le rodage du troisième déjà depuis 3-4 mois. Fait que le rodage officiel du troisième show va commencer début juillet quand mon deuxième finit. Puis fait qu'après ça, on part pour le troisième. Dans ton nouveau show en rodage, combien il y a de mots qu'on retrouve dans les dates que tu as lues ce soir? Le Montréal amateur. Oui. Montréal amateur. On s'en reparle la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est encore création. Ah oui, non, j'écris là, en ce moment. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, applaudissez Simon Gouache. Et merci, gang. Merci beaucoup. Merci encore une fois à la salle. Les loups, c'est toujours un plaisir de venir ici. Applaudissez-vous, vous avez été extraordinaires. Extraordinaire. Merci au couple qui se colle plus. Merci à la fille qui nous a expliqué l'huile chaude. Merci à l'autre fille qui est épanouie sexuellement. Ouais. Merci à tous. Bonne soirée et à très bientôt. Soirée, gang. Merci beaucoup.